Vous voulez bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Nous allons commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Lors de la dernière séance plénière de février, nous avions alors adopté nos orientations stratégiques. Nous l'avons fait sans perdre de temps. Et je souhaite pouvoir aujourd'hui continuer sur le même rythme, si vous en êtes d'accord. Les fondations de la mandature seront alors achevées et le Conseil pourra entrer dans le vif des sujets sur lesquels il est attendu, sujets qui intéressent bien évidemment tous nos concitoyens. Sans plus attendre l'ordre du jour, j'appelle tout d'abord de notre part un retour, une expression de ceux qui le souhaiteront sur notre règlement intérieur et un vote sur sa modification. Quelques mots, si vous me le permettez, pour introduire cette question et remettre les choses dans leur contexte. Mon souci que vous partagez, j'en suis persuadé, est un souci d'efficacité. Si nous modifions ce règlement intérieur, qui est notre texte de base, notre constitution à nous, c'est avant tout pour en supprimer toute ambiguïté et au bout du compte, faciliter notre travail, simplifier notre tâche à tous. Il est par exemple apparu cohérent de s'inspirer, quand cela avait du sens, des modes de fonctionnement des deux autres assemblées, Assemblée nationale ou Sénat. Encore une fois, il ne s'agit pas de revisiter ce règlement intérieur pour y laisser une trace. Il s'agit de tout mettre en œuvre afin de permettre au CESE de véritablement s'affirmer comme la troisième assemblée constitutionnelle qu'il est. Pour effectuer ces améliorations, nous avons repris la méthode utilisée pour arrêter nos orientations stratégiques, c'est-à-dire celle du collectif. Je vous l'ai dit dès mon élection, je n'ai pas changé d'état d'esprit, je ne sais pas et je n'ai pas l'intention de fonctionner sans le collectif, ce collectif que vous constituez à travers vos groupes, à travers les sections et à travers cette assemblée. Nous sommes déjà parvenus à améliorer la collégialité du bureau. Il paraissait logique de veiller aux conditions de la gouvernance et de les renforcer. Comme pour les orientations stratégiques, nous avons donc pris le temps de la consultation et de la concertation. Les présidents de groupe se sont réunis le 24 février. Les membres des groupes ont été consultés entre le 25 février et le 4 mars et ils ont effectivement proposé des amendements. Le bureau a ensuite étudié le 8 mars dernier toutes les propositions faites par les groupes et c'est ce même bureau qui propose aujourd'hui à votre vote la modification de notre règlement intérieur. Quelques mots sur le déroulement de cette séquence. Il vous a été remis à l'entrée de l'hémicycle les amendements proposés par le bureau et dont les textes seront projetés derrière moi sur les écrans. Je présenterai successivement chaque amendement à discussion. Chaque groupe qui le souhaite aura la possibilité de s'exprimer sur cet amendement. Je ferai procéder un vote public à la majorité simple sur les amendements pris séparément et relatifs à un même article. Je ferai ensuite voter chaque article. Et enfin, conformément à l'article 6 du règlement intérieur, un vote global à la majorité simple interviendra sur l'ensemble du règlement intérieur modifié. Voilà pour la méthode, assez classique pour une assemblée de la République. Elle ne surprendra ni les plus anciens, ni les derniers arrivés. Mais avant de commencer l'examen de chaque article, je dois vous faire part de deux propositions faites au bureau et vous rendre compte des positions prises par le bureau dans les deux cas. La première proposition portait sur la création d'un 19e groupe au CESE, proposition faite par Hélène Adam et Michel Tomich. La deuxième proposition était relative à l'établissement d'une stricte parité au bureau. Nos collègues Marie-Béatrice Levaux et Gérard Askiri en sont les auteurs. Sur la création d'un 19e groupe au bureau, je vais être court.
Le bureau a étudié la faisabilité juridique de cette proposition. Une telle création imposerait de remettre en question non seulement notre règlement intérieur, mais également les bases législatives, voire constitutionnelles, sur lesquelles s'appuie notre organisation actuelle. Le bureau n'a pas considéré l'urgence ou la situation exceptionnelle qui pourrait justifier un tel chantier et n'a pas donné suite à cette proposition. S'agissant de la proposition tendant à instaurer une parité stricte au bureau, vous savez tous que je suis assez volontariste sur ce thème, mais ce n'est pas matériellement réalisable. Les membres du bureau sont proposés par les groupes. C'est ensuite par un processus d'élection que l'Assemblée désigne démocratiquement les membres du bureau. La proposition reviendrait à s'immiscer de façon assez dirigiste et vécue sans doute comme déplacée dans la composition et la vie des groupes. Ce n'est pas dans les intentions du bureau, la proposition faite n'a donc pas été retenue. Toutefois, le bureau a entendu l'appel de Mme Levaux et de M. Asquiri et propose une formulation qui tend à la parité, et pas seulement au bureau, mais dans l'ensemble des instances de gouvernance que sont les sections, les délégations et le bureau. Il s'agit d'un amendement de méthode proposé à l'article 57. Gardons en tête, néanmoins, que nous avons toujours du chemin à faire sur ce sujet. Ces points étant précisés et ces choses étant dites, nous allons maintenant passer en revue les amendements et les articles concernés du règlement intérieur. Je vous rappelle que les visuels correspondants seront donc projetés derrière moi. Je vous répète une dernière fois la méthode. Je ferai la lecture de chaque amendement. Les groupes pourront ensuite réagir s'ils le veulent. Nous passerons ensuite au vote amendement par amendement. Puis nous voterons sur chaque article et nous aurons donc un vote global à la fin. Nous allons donc démarrer par le premier amendement relatif à l'article 3. Il y a une demande de parole. Madame, pardon, alors avant de démarrer, madame. Alors, je vais faire une chose, c'est je vais faire la lecture de chaque article. Je vais donner la précision qui concerne l'article, la justification. Et puis ensuite, vous pourrez intervenir sur l'article en question, si cela vous convient. Donc, je vous fais donc la lecture de ce premier amendement issu de l'article 3. Et puis, je passe la parole ensuite. Le premier amendement, le bureau comprend là où le président, 18 membres, dont 8 vice-présidents ou présidentes, 2 questeurs et 8 secrétaires. L'idée est de se rapprocher évidemment de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Nous avons ici la disparition de la qualité de membre et c'est aussi de renforcer la collégialité du bureau. La proposition de cet amendement s'accompagne d'une disposition transitoire que vous trouvez à la fin du document. Cette disposition transitoire prévoit qu'il n'y a pas de renouvellement intégral du bureau. Les postes de 2 vice-présidents à pourvoir se font via l'élection en plénière. Les conseillers qui occupent actuellement les postes de VP et questeur ne se présentent pas à cette élection. Dès lors que les 2 nouveaux postes de VP auront été pourvus par l'élection, les 4 autres postes de secrétaire seront de fait occupés par les anciens membres. Cela ne nécessite pas de nouvelles élections. Donc je lirai cette disposition transitoire à la fin. Y a-t-il, donc, première intervention, Madame Adam, puis ensuite Monsieur Deschamps. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avions déposé un amendement à ce règlement intérieur de notre Conseil, et il n'a pas été retenu par le Bureau, comme Monsieur le Président vient d'en faire état. Vous n'en disposez donc pas, mais sa non-prise en considération par le Bureau a pour conséquence de nous empêcher de constituer un groupe. Et nous avons donc demandé à intervenir pour expliquer à l'ensemble des conseillers, ici réunis, quel était le sens de notre demande et pourquoi son rejet pur et simple pose un problème de représentation démocratique à nos yeux. Alors nous, c'est Michel Tomiche et moi-même de l'Union syndicale solidaire et Jacques Pasquier de la Confédération paysanne. Nous sommes 3. Nous avons fait part au bureau, à M. Bernasconi, à notre groupe actuel, de notre souhait de nous réunir pour constituer un groupe au sein du CESE
et ce, début février. Pourquoi un groupe ? Parce que les points de convergence entre nos organisations, qui nous ont désignés pour les représenter au CESE, sont nombreux, tout comme les valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons et les combats dans lesquels nous nous sommes croisés et que nous avons menés en commun. Pour une autre répartition des richesses, pour la solidarité internationale, l'altermondialisme, le féminisme, l'écologie, la démocratie sociale. Nous représentons un courant original. Il devrait pouvoir, dans l'intérêt de la démocratie, que nous représentons tous ici, pouvoir s'exprimer en tant que tel et ainsi faire valoir l'opinion de celles et de ceux qui s'y retrouvent. Nous sommes trois. C'est la seule condition requise dans le règlement intérieur pour constituer un groupe, la loi organique constitutive du CESE ne traitant pas de la question des groupes. Il se trouve que ce faisant, nous constituerions un 19e groupe, situation inédite dans l'histoire du CESE jusqu'à présent, mais qu'aucune logique autre que formelle ne nous paraît interdire en soi. Pour cette raison, nous avions déposé un amendement très simple. À l'article 8, les membres du Conseil sont répartis en 18 groupes. Nous proposions de modifier en 19 groupes. La loi organique, quant à elle, prévoit 18 membres au bureau. Là aussi, sans que la moindre raison logique et argumentée ne puisse être trouvée à ce chiffre barrière. Si cela interdit en l'état un 19e membre au bureau, nous contestons le raisonnement en chaîne qui nous est alors opposé. La loi dit 18 membres au bureau, mais ne dit rien des groupes. Le règlement intérieur dit tous les groupes ont un membre au bureau, donc il ne peut avoir que 18 groupes. Les deux autres assemblées de la République, tout comme l'Assemblée européenne, prévoient des nombres minimums pour constituer un groupe, à l'instar du CESE, 3 membres en ce qui nous concerne, mais ne prévoient ni directement ni indirectement de nombre maximum de groupes. Nous sommes donc fondés à proposer notre amendement. Nous avons proposé, pour trouver une solution, de constituer un 19e groupe, quitte à accepter que ce 19e groupe ne siège pas au bureau, autrement qu'avec un simple observateur. Notre proposition permettait au CESE d'avancer dans un sens positif dans l'évolution nécessaire de l'exercice de la démocratie. Cette proposition a été rejetée. Nous ne pouvons donc pas constituer un groupe et permettre ainsi l'expression des organisations syndicales qui nous ont mandatés. Nous regrettons que la 3e Assemblée de la République, qui met en avant ses principes d'expression plurielle de la société, n'ait pas saisi l'occasion d'illustrer en positif de tels principes et ne permette pas à notre courant de s'exprimer en tant que tel. Je vous remercie. Merci, Madame Adam. Je vais passer la parole à Monsieur Deschamps. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, nous voudrions d'abord confirmer et vous remercier d'avoir consulté largement pour préparer ce règlement intérieur, comme pour d'autres textes d'ailleurs, et vous donner acte de cette démarche participative qui a été engagée. Néanmoins, il nous faut reconnaître que même après une longue discussion, eh bien, nous avons certainement encore des choses à améliorer, à optimiser. Et je crois que pour nous tous ici qui avons vécu la séance d'hier, on a en tête quelques, peut-être, points du règlement qu'il nous faudra revoir. Je voudrais d'ailleurs profiter de ce moment pour remercier les collègues qui, hier, ont déposé des amendements dès l'ouverture de la séance, ayant certainement vu avant nous que ce point du règlement n'allait pas bien fonctionner. Ils ont choisi de nous faire la démonstration pédagogique plutôt que de nous expliquer que dans une assemblée où le consensus se recherche, il faut des procédures qui permettent au consensus qui s'est exprimé en section de pouvoir continuer à vivre dans l'assemblée plénière. Merci à eux et notamment aux collègues du groupe des entreprises. Cette démonstration nous amène, Monsieur le Président, à dire que si nous voterons le règlement intérieur, nous pensons qu'il faudra remettre le travail sur le métier très vite et faire comme dans le développement durable, le principe d'amélioration continue, en revenant notamment sur ce point. Merci, merci Monsieur Deschamps. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, nous allons donc procéder au vote. Oui, il faut appuyer sur. Si vous souhaitez prendre la parole, il ne faut pas lever la main, mais appuyer sur votre bouton. Voilà. Me semble-t-il, vous avez démarré cette assemblée cet après-midi en disant que nous voulions ressembler à l'Assemblée nationale dans son règlement intérieur ou le Sénat. Or, dès ce premier article, nous n'y ressemblons pas.
Le Sénat et l'Assemblée nationale ne peuvent pas prévoir à l'avance, c'est d'ailleurs valable pour le Parlement européen, le nombre de groupes représentés au niveau de ces assemblées. Et dans ce cadre-là, je ne comprends pas, sauf la réponse institutionnelle, je ne comprends pas le refus de création d'un nouveau groupe, surtout que, me semble-t-il, ce nouveau groupe faisait des propositions originales, disant, bon, on ne veut pas tout changer, on veut participer sans participer totalement. Donc, me semble-t-il, ça pose vraiment un problème. Soit on ressemble réellement à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Parlement européen ou au Sénat, c'est-à-dire que se créent des groupes en fonction des éléments qui sont représentés, ou ne s'en créent pas. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Nous allons donc procéder au vote. Alors, sur ce premier article, je vous propose de le faire de façon électronique. Bon, voilà. Le scrutin donc est possible. C'est bon. On ouvre le scrutin, s'il vous plaît. Donc vous votez avec évidemment avec les petits boutons que vous avez devant vous. Il faut voter donc sur l'amendement numéro 1 qui vous a été lu, article 3. Voilà. Ce qui est proposé, c'est de voter sur l'amendement numéro 1, premier alinéa, article 3. Le bureau comprend là où le président-présidente, 18 membres, dont 8 vice-présidents-présidents, 2 questeurs et 8 secrétaires. C'est parti. Est-ce que tout le monde a voté? Tout le monde a voté? Alors, le scrutin est clos, et donc les résultats vont s'afficher. Cet amendement est adopté par 141 voix, 14 contre et 10 abstentions. Nous allons donc procéder à l'amendement, à la lecture de l'amendement numéro 2 de l'article 3. Je vous en donne la lecture. Alinéa 3. Suivant les orientations définies préalablement par le bureau, les questeurs procèdent à la préparation du budget. Celui-ci fait également l'objet d'un débat en bureau avant adoption définitive par le conseil de questure composé des questeurs, du président et du secrétaire général. Enfin, les questeurs assurent le contrôle de l'exécution du budget et rendent compte au bureau. Et puis le paragraphe se termine, une fois par an, le budget exécuté de l'année précédente et le budget adopté pour l'année en cours sont présentés en assemblée plénière et font l'objet d'un débat. Le copier-coller n'avait pas fonctionné. Voilà, c'est un amendement qui est proposé pour renforcer le régime de questure. Nous avons une disposition particulière dans cette assemblée. Nous avons des questeurs. Et pour protéger ce régime de questure, particulier à cette assemblée, parce que nous n'avons pas de comptable public, il s'agissait de se mettre en conformité avec le projet de décret modifiant le décret 59-601 relatif au régime administratif et financier du CESE. Donc voilà, c'est pourtant parfaitement conformité et c'est pour derrière consolider notre régime de questure. Monsieur Bruno Gentil. Merci Monsieur le Président. Alors vous avez fait une précision orale qui est importante, mais je voudrais que ça soit bien confirmé et que ça figure clairement. C'est que nous, on votera pour cet amendement à condition que clairement figure ce qui figurait dans l'ancienne version du règlement intérieur, à savoir que le budget ferait l'objet, serait présenté en plénière et ferait l'objet d'un débat. Mais souhaite à ce que ça figure clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le vote. Non, en fait, c'est la première phrase qui a été modifiée, la deuxième phrase, c'est un copier-coller qui n'a pas fonctionné, mais la fin du paragraphe, il y a bien une fois par an le budget exécuté de l'année précédente et le budget adopté pour l'année en cours sont présentés en assemblée plénière et font l'objet d'un débat. Si je reprends l'article complet, ça donnera alinéa 3. Suivant les orientations définies préalablement par le bureau, les questeurs procèdent à la préparation du budget. Celui-ci fait également l'objet d'un débat en bureau ayant avant adoption définitive par le conseil de questure composé des questeurs, du président et du secrétaire général. Enfin, les questeurs assurent le contrôle de l'exécution du budget et rendent compte au bureau. Et on poursuit, une fois par an, le budget exécuté de l'année précédente et le budget
adoptés pour l'année en cours sont présentés en assemblée plénière et font l'objet d'un débat. Voilà. Donc on a le paragraphe complet. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole? Donc nous allons procéder au vote de cet amendement numéro 2. Donc nous allons ouvrir le vote. Voilà, si vous le souhaitez. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Donc le résultat s'affiche. Pour 162, contre 0, 4 abstentions. Nous allons procéder maintenant au vote de l'amendement numéro 3, dernier amendement de l'article 3. C'est un amendement en fait de conformité par rapport à l'amendement numéro 1. Donc cet amendement dit, alinéa 4, première phrase, les secrétaires du bureau assistent, là, le président ou présidente, en séance plénière en qualité de secrétaire de séance. On tient compte donc de la disparition de qualité de membre. Pas de demande de parole. Donc nous allons procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Voilà, c'est parti. Tout le monde a voté ? Oui ? Ça vote encore ? Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Et le résultat donc s'affiche 157 pour, 0 contre, 8 abstentions. Je dois procéder maintenant au vote de l'article 3, comprenant donc les modifications amendement numéro 1, amendement numéro 2 et amendement numéro 3. On doit voter au vote, faire un vote global sur cet article. Donc le scrutin est ouvert. Voilà, c'est parti. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Et donc cet article 3, nouvel article 3, est adopté à 147 pour, 5 contre, 14 abstentions. Nous allons donc procéder à la lecture aux modifications de l'article 4. Avec un amendement, premier amendement de modification, c'est l'amendement numéro 4. Vous verrez que dans cet amendement, en fait, c'est un changement de référence tout à la fin. Et donc, je vous en fais la lecture. Si à la suite de cette élection, ou pour toute autre cause, d'autres postes sont devenus vacants, il est procédé aux élections parmi les membres du Conseil qui se sont déclarés candidats jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus dans le respect du premier alinéa de l'article 3. Il était écrit auparavant, alinéa 2 de l'article 2. Pas d'observation, pas de demande de parole. Donc le scrutin est ouvert pour le vote de cet amendement numéro 4, article 4. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos et donc nous allons afficher le résultat. 158 pour, 3 contre, 7 abstentions. Amendement numéro 5. Rajouter à la fin de l'alinéa 6, cette élection se tient immédiatement après l'intervention de la du candidat-candidate
ou des candidats candidates à la présidence du Conseil. Amendement précisant que la campagne électorale s'arrête aux portes de l'hémicycle le jour de l'élection, à savoir qu'il ne peut y avoir de débat entre les candidats après l'intervention de chacun d'entre eux. Ça va vous rappeler un petit épisode passé. Voilà, de toute façon à clarifier complètement les choses. Demande de parole ? Pas de demande. Donc, Monsieur Bocara. Si je comprends bien, c'est un amendement qui dit qu'il n'y aura pas débat. Pardon. C'est un amendement. Après les prises de parole, oui. Il n'y aura pas débat. Oui. C'est ça. Oui. Merci. Il n'y a pas de débat. Merci. Après les prises de parole, c'est la fin. C'est voilà, clair. C'est ça. Madame Conné. Ah oui, c'est moi, je suis là. C'est juste un oubli au bénéfice de l'âge. Vous avez oublié le 2. Ah, bénéfice de l'âge, oui. Ben, on n'a pas repris la fin, en fait, c'est l'amendement, l'alinéa 6. Hein. Il s'ajoute. Hein. Tout ça s'ajoute après. Oui, mais c'est à la fin, ça s'ajoute. C'est comme sur le premier qu'on a lu sur les questeurs. Ça vient s'ajouter à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc nous allons procéder. Monsieur Deschamps. Merci Monsieur le Président. Juste par rapport à l'intervention de notre collègue tout de suite sur le fait qu'il n'y ait pas débat, cela n'interdit pas, je voudrais que vous nous le confirmiez, qu'il y ait d'organiser avant la séance solennelle d'élection une séance de débat dans l'hémicycle par exemple, mais en dehors de la séance solennelle d'élection. C'est ça que je comprends. Si vous reprenez ce qui s'est passé la fois dernière, en fait, le débat, la campagne électorale, elle a bien eu lieu. Et d'accord. Il n'y a pas eu de débat organisé dans l'hémicycle. Mais ça ne l'interdit pas ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu dans le règlement. Mais le règlement intérieur ne l'interdit pas. Le règlement intérieur ne l'interdit pas. Après, c'est à chaque candidat de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Voilà. Mais le règlement intérieur ne l'interdit pas, bien sûr. Voilà. OK ? Alors, Madame Blin, décidément, c'est un article. Madame Blin, puis Monsieur Bocara. Non ? Madame Blin, non ? Alors, Monsieur Bocara. Parle du débat dans l'hémicycle. Oui, donc, ce n'est pas chaque candidat qui peut accepter le débat dans l'hémicycle, Monsieur le Président. On parle de débat dans l'hémicycle, bien sûr. Donc, ce n'est pas chaque candidat qui peut accepter le débat dans l'hémicycle. Attendez, là, on en revient. Attendez, on ne va pas. Donc, soit il n'y a pas débat, soit il y a débat. Ce qui est dit dans la proposition de l'article, ici, la modification, c'est qu'une fois que vous avez entendu les candidats, il n'y a pas de débat et on procède tout de suite à l'élection, comme dans les autres assemblées, du bureau. Que, avant des choses soient organisées, chacun fait ce qu'il veut dans une campagne électorale. Point final. Mais là, on parle du moment où on en met en place la mandature. Quand vous mettez en place la mandature, les candidats sont entendus et après, on procède aux élections du bureau. Il y a vote, d'abord pour élire le président ou la présidente, et après, vous procédez à la mise en place de cette assemblée avec l'élection du bureau, puis ensuite l'élection des présidentes et présidents de section. Voilà, ça c'est très clair. Monsieur Bell. Oui, excusez-moi. Une remarque. Effectivement, il peut y avoir campagne avant, mais ça concerne une grosse partie des conseillers sortants. Et les nouveaux qui arrivent, ils sont bien dans la plénière, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on vote pour le président. Donc l'idée d'un débat n'est pas idiot, sachant que, par exemple, dans cette mandature, 70% des conseillers ont été renouvelés. C'est un point de vue. Ce qui est proposé, clairement, c'est pas ça. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Et ce que je vous demande, c'est de voter sur cette proposition. Voilà. Alors, maintenant, Monsieur Eisenthaler. Voilà. Voilà. Ça vient. Je pense qu'il faut bien entendre l'enjeu de cet amendement, qui est celui de clarifier une situation qui avait suscité un certain nombre d'ambiguïtés au moment de l'élection de ce mandat,
et qui vise à faire la distinction nette entre ce qui relève d'une campagne et qui là s'adresse évidemment aux organisations qui vont accueillir des nouveaux représentants ou qui vont maintenir les anciens, à chacun des groupes de s'organiser en conséquence, de façon à assurer un déroulement conforme d'une part à ce qui se pratique dans les autres assemblées et qui assure, j'allais dire, une forme de solennité, pour ne pas dire de dignité, dans le cadre de cette élection. Après, Monsieur Abel. Oui, malgré ces précisions, je ne comprends pas du tout l'objet de se bloquer ainsi. Il n'y a pas besoin de mettre ça, on le fait si on en a besoin, ou on ne le fait pas si on n'en a pas besoin, mais on n'a absolument pas besoin de se bloquer à l'avance. Et dire qu'il y a besoin d'une solennité, et moi je suis nouveau, hein, et dire qu'on a besoin d'être comme les autres assemblées à ce point de vue, je trouve ça vraiment problématique. Donc l'inscrire par avance qu'on n'a pas à le faire, je trouve ça réellement démocratique, alors qu'on est une assemblée qui n'est pas si nombreuse, dans laquelle il peut y avoir un jeu de questions, etc. Donc ça ne fait que fermer les choses plutôt que de laisser ouvert. C'est, on ne fait, là, on écrit une chose, c'est la pratique de cette assemblée. Voilà. On ne fait que concrétiser une pratique qui a déjà été faite dans cette assemblée, qui ressemble, bien sûr, à ce qui se fait ailleurs. Il y a le temps électoral, et il y a le temps où on met en place cette institution avec un vote. Ce qui est proposé, je reviens, c'est que, voilà, on clarifie les choses, on dit qu'il n'y a pas de débat une fois que les candidats ont été entendus, et on procède au vote. Vous êtes Maintenant, je pense qu'il faut clore. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous votez pas. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, c'est de procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Ah ben ça, je sais bien. Tout le monde a voté ? Pas encore ? Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Pour 126, contre 35, abstention 9. Donc cet amendement est adopté. Nous allons donc passer à l'amendement numéro... Alors ça, c'était l'amendement numéro 5. Hein. C'était l'amendement numéro 5. On va passer à l'amendement numéro 6, semble-t-il. Leur désignation se fait au scrutin plurinominal en procédant d'abord à celle des vice-présidents, puis à celle des questeurs, et enfin à celle des secrétaires. On tire une nouvelle fois dans cet amendement numéro 6 la conséquence de la disparition de la fonction de membre. Pas de demande de prise de parole. Donc le scrutin est ouvert. Un problème. Alors. Tout le monde a voté ? Le scrutin est... Ah, attendez, ça bouge encore. Tout le monde a voté, c'est bon ? Il n'y a pas de bras à se lever. Donc le scrutin est clos. Donc pour 159, contre 0, abstention 11. Nous allons donc procéder au vote de l'article 4. Comprenant donc l'amendement 4, l'amendement 5, l'amendement 6. Le scrutin est ouvert.
Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Donc pour 137, 8 contre et 25 abstentions. Donc l'article 4 est voté. Nous allons passer à l'article 5. Amendement numéro 7. C'est une simplification de texte. C'est un amendement de cohérence et rédactionnel. Alinéa 2, amendement 7. Le bureau est compétent en ce qui concerne l'organisation et l'activité du Conseil, ainsi que l'exécution de ses travaux. Pas de demande de parole, donc le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Ah, ça bouge encore un peu. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Donc pour 162, contre 1, abstention 4. Nous allons procéder donc à la lecture de l'amendement numéro 8. C'est un amendement de précision. En fait, on remplace l'article L' par les, parce que nous avons les orientations stratégiques. Il propose les orientations stratégiques pour la mandature après consultation des groupes et les soumet au vote de l'Assemblée plénière. Donc c'est l'orientation qui est transformée en les orientations, pour tenir compte en fait de nos orientations stratégiques. Pas de demande de parole. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Donc pour 162, abstention 7 et contre 1. Nous allons donc procéder à la lecture de l'amendement numéro 9, alinéa 8. Préalablement, le bureau invite les présidents et présidentes des formations de travail à lui présenter les projets d'autosaisine. Il peut, en outre, les entendre à son initiative ou à leur demande. En cas d'empêchement, là, le président et présidente de la formation de travail peut se faire représenter par une de ses vice-présidents et vice-présidentes. On met noir sur blanc ce que l'on pratique maintenant au bureau, à savoir qu'on entend évidemment les président de section et les rapporteurs sur un projet d'autosaisine. Pas de demande de parole. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. 167 pour, contre 1, abstention 1. Nous allons donc voter l'article 5, reprenant les amendements numéro 7, 8 et 9. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos.
Donc pour 157, contre 3, abstention 9. Donc l'article 5 est adopté dans sa globalité. Nous allons passer donc à la lecture de aux modifications de l'article 6, amendement numéro 10. Le bureau précise et formalise par écrit les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution du règlement intérieur dans une instruction générale du bureau. En fait, c'est la nouvelle appellation de notre guide pratique. Et on voit que cela peut avoir un intérêt. Alors, Madame de Bettencourt et après Monsieur Adam Méga. J'avais demandé la parole juste avant, donc ça ne concerne pas cet amendement. Sauf erreur, je ne pense pas qu'on ait voté l'article 3. Si. Dans son ensemble. Ah si. si. Ah, allez. Du coup, j'ai perdu le... Monsieur Adam Méga, pardon. Non, ce n'était pas pour l'article 3. Hein. Non, c'est pour le... Alors, l'interprétation, le terme interprétation me pose un souci. Soit il y a un règlement et il est suivi comme il est écrit, ou alors, enfin, on ne peut pas interpréter, quoi. Je ne comprends pas ce terme dans l'amendement. On a repris la façon dont c'était libellé auparavant. Bon, voilà. Madame Fauvel. Si. Oui, alors deux choses. Oui, déjà le terme interprétation, oui, qui peut prêter quand même à une certaine confusion. Et alors moi, je me pose tout simplement la question, pourquoi changer les termes? Alors il y avait un guide pratique, maintenant ça s'appelle une instruction générale du bureau. Si les mots ont un sens, vraiment instruction générale, ça a quand même un côté très administratif, très... combinatoire, quoi. C'est une instruction générale, nous on trouve que guide pratique, ça allait très bien. Merci. Il y a eu la volonté du bureau d'être un peu plus fort dans son appellation, c'est évident, c'est évident. Et Annie me faisait remarquer par rapport au mot d'interprétation, Annie je vous laisse faire ce commentaire, puisque vous me l'avez soufflé à l'oreille autant que vous le disiez, c'est une bonne remarque. Qu'on l'appelle guide pratique ou instruction générale, il n'est pas possible que l'instruction générale crée du droit, crée de la norme. Elle peut l'interpréter à l'instar d'une circulaire qui est interprétative d'une règle de droit qui s'impose. Voilà. Merci Annie. Donc, il n'y a pas d'autres demandes de parole, donc nous allons procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Je suis bien. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. ...144 pour, 13 contre, 13 abstentions. Donc l'article 6 est adopté. Désolé. Comme il y a un seul amendement, donc il faut qu'on fasse le vote sur l'article 6. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est ouvert. On va respecter la forme. Là, cette fois, je suis allé un peu vite.
Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Ah, ça bougeait encore un peu. C'est un bon entraînement pour les plénières. 150 pour, contre 9, 10 abstentions. Nous allons... Oui. Article 8, amendement numéro 11. Allez, je vous demande un peu de concentration. Cet amendement vise donc à préciser les modalités de validation de la composition des groupes lors de la séance d'installation, qui était un peu imprécise, et donc nous avons souhaité, avec le bureau, le préciser. Et on dit la chose suivante, lors de chaque renouvellement, chaque groupe est formé provisoirement et élit son, sa président-présidente et son, sa candidat-candidate à l'élection du bureau. Le, la président-présidente du groupe transmet au, à la secrétaire générale la liste des membres ainsi que le nom de son, sa candidat-candidate au bureau. Après l'élection du bureau et sur sa proposition, l'Assemblée arrête la liste des groupes et approuve leur composition. Voilà. Monsieur Asquiri. Retrouve là le problème du 19e groupe, bien évidemment. Moi, je trouve que les amendements qui sont présentés justifient l'existence d'un groupe, puisque la présence du groupe, l'existence d'un groupe n'est plus seulement liée à une présence au bureau, mais est liée à des droits spécifiques d'un groupe. Madame Levaux. Merci, Président. Donc, je vais intervenir là parce que je trouvais qu'à l'amendement de la fin du règlement intérieur sur autres dispositions pour parler de la parité, ça me paraissait un petit peu déclassé, on va dire ça comme ça. Donc, j'avais bien compris lorsque j'ai fait mon amendement à l'article 3 ou 4, d'ailleurs, où je demandais qu'effectivement soit intégrée à stricte parité la composition du bureau. Il m'a été répondu, et j'en avais tenu compte, que ce n'était pas possible puisque cela dépendait des groupes et que le bureau n'était finalement que la résultante des nominations par les groupes de leur président ou présidente à la composition du bureau. Je reviendrai peut-être là-dessus sur l'article 57, simplement sur cet article-là, il me semble qu'on pourrait peut-être rajouter en tenant compte de l'équilibre paritaire. Ce qui nous permettrait peut-être, dans les groupes, d'avoir une attention particulière à cette évidence que nous ne pouvons pas continuer à avoir une parité d'effectifs qui n'est pas totale dans la parité de responsabilité, puisque nous sommes la troisième assemblée de cette République et que nous devons nous considérer comme également en situation de perfection. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je proposerai bien sur cet amendement, pour faire en sorte que les groupes tiennent compte de cet équilibre paritaire à l'arrivée au bureau, que nos couloirs, qui sont nombreux ici, servent à la négociation. Merci, les règles, je comprends tout à fait l'idée, et je peux la partager. En même temps, les règles ont été définies, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner avec des sous-amendements par rapport aux amendements proposés du bureau. Donc on est sur la lecture d'un texte bloqué. Après, on le prend, on ne le prend pas, mais on est bien sur cette logique-là. Si, comme l'a évoqué notre ami Jean-Carl Deschamps, à un moment donné, il y a une deuxième réflexion, parce qu'il faudra revoir quelques autres points du règlement intérieur, voilà, on aura peut-être la possibilité à ce moment-là de réintroduire d'autres compléments au texte. Mais à ce stade, je ne souhaite pas qu'on puisse commencer à faire des sous-amendements. J'ai très peur qu'on reproduise la séance d'hier soir. Voilà. Donc je vais vous proposer, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vous propose donc le vote sur cet amendement numéro 11 et le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Alors pour 147, 12 contre, 11 abstentions. Nous allons procéder à la lecture de l'amendement numéro 12.
Cet amendement définit les modalités de changement de groupe en cours de mandature pour éviter certaines approximations qui ont vu le jour lors de la, qui ont pu voir le jour lors de la dernière mandature. Voilà. Et donc on précise les choses de façon à éviter un certain nombre de problèmes qui pouvaient surgir à cette occasion. Donc cet amendement numéro 12, alinéa 3, dit la chose suivante. Les membres du Conseil appartenant à aucun groupe peuvent demander leur rattachement à l'un de ces groupes. En cours de mandature, une conseillère ou conseillère peut demander un changement de groupe sous réserve de l'acceptation expresse des présidents ou présidentes du groupe initial de rattachement et du groupe sollicité. Au vu de la demande et des accords obtenus, le bureau valide le changement et là, le président ou présidente du Conseil en informe l'Assemblée plénière. Pas de demande de parole. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Pour 161, 2 contre 7 abstentions. Amendement numéro 13, alinéa 4. C'est une précision sur la destination du complément de rémunération que reçoit le président de groupe pour l'administration de son groupe. Voilà. Il y avait une petite confusion. Auparavant, les groupes disposent d'une indemnité spéciale de secrétariat permettant de financer une administration de groupe. Par décision du bureau, ces moyens peuvent être exceptionnellement adaptés. Pas de demande de parole. Le scrutin est ouvert. Ah, Monsieur Molinos. Oui, Monsieur le Président. Je suis ennuyé par cet amendement. Donc, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas faire de sous-amendement. Je suis ennuyé parce qu'il n'est plus fait référence, pour deux raisons. La première, il n'est plus fait référence à l'effectif des groupes, si le texte là remplace l'autre amendement. Premier point, si tel est bien le cas, si ça remplace. Et puis je suis, si j'entends bien que par décision du bureau, ces moyens peuvent être exceptionnellement adaptés, le terme exceptionnellement étant indéfini, qu'est-ce que l'exceptionnel ? Et puis, sommes-nous, est-il bien prévu ? Alors ça, peut-être que ça sera le cas via le document dont vous avez parlé qui interprète ensuite le règlement, mais il serait bon que tous les groupes sachent exactement ce qui est fait chez les autres dans un souci de transparence et d'équité. Donc voilà, les deux points qui me perturbent sont l'absence de référence à l'effectif de chaque groupe. On entend bien que chaque groupe doit avoir une administration, un secrétariat minimum. Mais ensuite, l'adaptation exceptionnelle devrait être connue de tous. Sur la première remarque, c'est par décret, c'est le décret. Et puis sur la deuxième remarque, le mot exceptionnel, bon, ça passe évidemment en bureau, et toutes les décisions du bureau, il y a les communications qui sont faites ensuite des décisions du bureau. Donc il y aura forcément la transparence qui sera faite à ce moment-là, si à un moment donné, le bureau décide évidemment de donner des moyens exceptionnels à un groupe pour une raison justifiée. Voilà, bon, c'est pour ne pas enfermer les choses. Monsieur Boccara. Merci, Monsieur le Président. Votre réponse m'amène une question. Il n'y a aucun point dans le règlement qui dit que le bureau... le bureau décide apparemment, sans qu'il y ait d'éléments dans le règlement qui précise, il décide de sa politique de communication sur ses décisions, le bureau. Pardon ? Je ne comprends pas. Il n'y a rien qui précise ce que le bureau doit dire des décisions qu'il a prises. Attendez, si. Parce que je vous fais un compte-rendu oui. Systématiquement de toutes les décisions et du que bureau. Vous... Tous les groupes, évidemment, sont représentés au sein du bureau et doivent informer leur groupe des décisions du bureau. Les choses fonctionnent normalement, c'est de cette façon. J'entends, Monsieur le Président, ça c'est votre discours oral. Ma question est il n'y a aucun point dans le règlement oui, mais tout qui est précise publié. Cela. Si, c'est publié. À et un relevé de décision, tout est publié. Ah, bien sûr que si. Allez-y.
C'est une vraie question. Hein. À la demande du président, je vais me permettre d'apporter une précision. Nous sommes dans une assemblée avec un bureau qui a une fonction délibérative, qui a donc des pouvoirs propres. Les relevés de décision du bureau sont systématiquement approuvés par le bureau lors de la réunion immédiatement suivante et publiés sur IENA. Et vous en avez donc tous connaissance. Ça n'est pas mentionné dans le règlement intérieur, mais c'est consubstantiel au bon fonctionnement d'une instance délibérante, quelle qu'elle soit. C'est donc la pratique, pas le règlement. C'est plus que la pratique, c'est une obligation. Toute instance délibérante se doit de rendre publique, vis-à-vis de ses mandants, les décisions prises. Pas d'autres demandes de parole, donc je vais ouvrir le scrutin. Le vote est ouvert, c'est parti. Merci. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Pour 160, contre 3, abstention 7. Amendement numéro 14. Cet amendement traduit donc la volonté de mieux impliquer les présidents des groupes, de groupes et de sections, évidemment, pour travailler plus ensemble. Je vais vous lire donc l'amendement numéro 14. Là, le président du Conseil réunit la conférence des présidents de groupe au moins 3 fois par an sur un ordre du jour déterminé, dont au moins une fois sur la politique générale du CESE. Donc c'était le désir, voilà, des conseillers et du bureau de mieux associer tous les groupes en formalisant un certain nombre de rencontres. Donc c'est l'amendement numéro 14, alinéa 5, pas de demande, le scrutin est ouvert. Okay. Tout le monde a voté ? Ah, bouge encore un peu. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Pour 161, contre 0, 8 abstentions. Nous allons donc procéder au vote de l'article 8, reprenant donc les amendements 11, 12, 13 et 14. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Donc l'article 8 est adopté pour 153, 5 contre, 9 abstentions. Donc nous allons passer à la lecture de l'article 11. Amendement numéro 15. Nouvelle alinéa 4. C'est dans le même esprit, nous avons souhaité, évidemment, garder un lien plus régulier avec les sections et vice-président de section. Donc je vous lis ce nouvel alinéa 4. C'est là le président-présidente du CESE réunit 2 fois par an les présidents-présidentes de section et de délégation. En août, là le président du CESE réunit 1 fois par an les présidents-présidentes et vice-présidents-présidentes de section et de délégation. Et puis nous continuons puisque nous avons voulu que nous fassions une évaluation des travaux à mi-mandature et
proposer des voies de progrès pour l'avenir avec évidemment les sections, les délégations. Le bureau s'en emparera pour faire un bilan de mi-mandature. Et donc on a la deuxième partie de ce texte de l'amendement numéro 15 qui dit à mi-mandature et en fin de mandature, là le président, présidente et les vice-présidents, présidents des sections et des délégations réunissent leur formation de travail pour établir un bilan de leurs travaux et de leur fonctionnement comprenant d'éventuelles propositions d'amélioration. Ce bilan est présenté au bureau. Pour la mi-mandature, le bureau en établit une synthèse qui sera présentée en assemblée plénière et constitue le bilan de mi-mandature du Conseil. Voilà, ça, c'est l'amendement numéro 15 dans sa totalité. Pas de demande de parole, donc je vais procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Peut-être aller un peu vite. Voilà, 153 pour, 1 contre, 12 abstentions. Nous allons donc procéder au vote de l'article 11 correspondant. Donc, vote sur l'article, scrutin ouvert. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Ah, ça bouge encore. Voilà, c'est bon. Pour 145, 2 contre, 15 abstentions, l'article 11 est adopté. Article 14, amendement 16, amendement qui vise à préciser le caractère exceptionnel de la transformation d'une étude en avis par le bureau. Je vous en fais la lecture. Donc, alinéa 2, les délégations élaborent des études qui ont vocation à ouvrir un champ de réflexion sur une thématique donnée. Cependant, de manière exceptionnelle, si les conclusions de l'étude le justifient, les délégations peuvent, une fois le projet d'étude validé, demander au bureau la transformation de tout ou partie de l'étude en rapport en vue d'un projet d'avis. Ce dernier est alors élaboré par la délégation dans les mêmes conditions que pour les sections. Pas de demande de parole. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? C'est bon ? Bon, le scrutin est clos. Donc c'est l'article 14 qui est adopté, hein, c'est bien ça. 14 est adopté avec 161 pour, 2 contre et 3 abstentions. Nous allons passer à l'article 16, amendement 17. J'ai pas fait voter sur l'article, alors désolé. Allez, vote sur l'article. Scrutin ouvert. Il faut suivre. C'est l'article 14. Tout le monde a voté ? Non ? Tout le monde a voté, c'est bon ? Le scrutin est clos. Et donc l'article 14 est adopté avec 160 pour, 0 contre et 6 abstentions. Donc on passe cette fois à l'article 16. Amendement 17.
Une personnalité associée peut être désignée co-rapporteur d'un projet d'avis avec une conseillère, enfin une conseillère-conseillère. Cet amendement donne donc la possibilité à une personnalité associée d'être co-rapporteur d'un projet d'avis aux côtés d'un conseiller. Voilà. Pas de demande de parole. Donc le scrutin est ouvert. Donc, tout le monde a voté ? Je pense que oui, vu le total. Le scrutin est clos. Donc, pour 165, 1 contre, 0 abstention. Donc, nous allons procéder au vote de l'avis. Vote sur l'article 16. Scrutin ouvert. Non. Bon, il y en a. Bon, il en manque. Allez, voilà, on y arrive. 166, le compte est bon. Tout le monde a voté, je pense que oui. Et donc le scrutin est clos. Ah, c'est bizarre, là on est à 167, là, c'est bizarre. Bon, 166 pour, 1 contre. Et 0 abstention. Donc l'article 16 est adopté. Donc article 17. Amendement 18. Voilà, c'est un amendement de précision. Les projets d'études sont validés, au lieu de dire approuvés. Donc les projets d'études sont validés par la section où la délégation est transmise au bureau. Le scrutin est ouvert. Il n'y a pas de demande de parole. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Donc pour 163, 0 contre et 3 abstentions. Amendement numéro 19. Cet amendement donc vise à recueillir donc l'avis des personnalités associées qui ont pleinement participé à l'élaboration des projets d'avis. Donc, amendement 19, nouvelle alinéa 5, l'avis des personnalités associées rattachées à la section est également recueilli et transmis. Le scrutin est ouvert. Ah, une demande. Oui, demande de parole, Hélène, Madame Fauvel. C'est une question, parce que justement ce matin en section, on a eu le sujet, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, que le vote des personnalités associées soit recueilli et transmis, mais concrètement, ça donne quoi ? On se pose la question, est-ce que les personnalités associées votent au même titre que les conseillers ou pas ? C'est juste recueilli et transmis pour que le bureau ait l'avis des personnalités associées. C'est exactement ça. Voilà, mais c'est juste c'est tel que rédigé, c'était pas tout à fait évident. Parce que justement, ce matin, on s'est posé la question... Non, c'est voilà. Juste pour information. Voilà. Merci. Il semble, voilà. Donc, amendement numéro 19, le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Je pense que oui. Le compte normalement est bon. Donc, le scrutin est clos. Pour 166, 1 contre, 0 abstention. Donc l'amendement numéro 19 est adopté. Nous allons passer au vote de l'article 17. Le scrutin est ouvert. Alors, tout le monde a voté ? Je pense que oui.
Ah, il en manque encore un peu. Tout le monde a voté ? Bon. Il y a une personne qui a dû sortir. Ah non, non, on y arrive. On y arrive au 166, c'est bon. Donc, le scrutin est clos. Donc, pour 163, 1 contre, 2 abstentions. Donc, l'article est adopté. Hein. C'est bien le vote sur l'article qu'on a fait. On va passer donc à l'article 19. Cet amendement veut redonner la pleine légitimité à la commission temporaire de désigner son rapporteur, à l'instar des sections et délégations qui ont cette prérogative. Et donc, c'est l'amendement 20, donc qui, alinéa 2. Là, le président ou présidente est désigné par le bureau et les rapporteurs par les membres de la commission temporaire. Pas de demande, donc le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Parce que, bon, il m'en manque un peu, mais bon. Tout le monde a voté ? Pas de main à se lever, donc que le scrutin est clos. Je pense que l'électronique met un peu de temps à enregistrer tout le monde. Vous devez aller plus vite que l'informatique. Tant mieux. Donc, voilà, donc pour 162, 0 compte, 4 abstentions. Donc, pour voter l'article 19. Alors, vote sur l'article 19. Scrutin ouvert. La procédure est un peu lourde. C'est une après-midi. On ne sort pas tous les jours. Tout le monde a voté ? Je pense que oui. Donc, le scrutin est clos. Pour 164, 0 compte, 3 abstentions. L'article 19 est adopté. Article 28, amendement 21. C'est un amendement de cohérence, puisqu'on fait référence aux orientations stratégiques et aux priorités thématiques telles qu'on les a définies dans cette nouvelle mandature. Et on dit la chose suivante. Alinéa 4, le bureau peut également prendre l'initiative d'une saisine. Il peut alors demander à la section ou à la délégation concernée de rédiger un projet de saisine. Il confie aux sections et aux délégations l'examen des questions faisant l'objet des saisines au regard des orientations stratégiques et des priorités thématiques définies. Auparavant, c'était priorité de travail. Voilà. Pas de demande de parole. Donc, le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. 166 pour, 0 contre, 1 abstention. Donc cet amendement 21 est adopté. Vote sur l'article 28. Le scrutin est ouvert. Pascal me dit qu'il en manque un, mais bon, visiblement. Tout le monde a voté ? Il peut être sorti. Tout le monde a voté, donc le scrutin est clos. 165 pour, 0 contre, 0 abstention. Donc voilà, les absents ont tort.
Donc, il faut voter l'article 28 maintenant. Donc, vote sur l'article 28. Scrutin ouvert. J'espère qu'on va avoir le même résultat. Ah si, on a voté l'article. Oui, c'est fait. On l'a fait. Ouais. Heureusement que Pascal me surveille. Quand même. Alors, amendement numéro 22, article 33. Celui-là, il est important parce qu'il change un peu notre façon de faire. Évidemment, il a été pensé au regard du fait qu'on allait traiter un peu différemment peut-être les abstentions. Donc voilà. On dit la chose suivante dans cet amendement 22, alinéa 1, première phrase, parce que la suite suivra évidemment. L'Assemblée ne délibère valablement qu'avec au moins la moitié des membres du Conseil. Et on dit la chose importante suivante, on met donc un quorum en place, et ce quorum c'est la moitié des membres du Conseil. La présence aux séances plénières est constatée par émargement sur une liste nominative. Il faut le voir au regard de l'article 44 dans lequel le vote se fera donc à majorité simple. Donc on n'a pas mis en place de majorité qualifiée. Mais on a mis en place un quorum qui est la moitié des membres du Conseil. Madame Levaux. Merci. Merci, Président. Une précision par rapport à cet amendement. Est-ce qu'il serait, compte tenu de la modification quand même importante de l'article, important que vous puissiez nous dire en début de séance quel est le nombre de présents au moment où on ouvre la séance ? Puisque entre le moment où on ouvre la séance et le moment où on vote, il se passe des choses. Alors, dans toutes les simulations que l'on a pu faire, le système que l'on adopte aurait permis de fonctionner pleinement dans la dernière mandature. Ça veut dire que, voilà, on n'a pas de souci avec cet amendement. On a quand même vérifié que, voilà, on ne se trouvait pas dans une grande difficulté à l'arrivée. Non, non. À chaque fois, on ne se trouvera pas en difficulté. Enfin, je l'espère. Sinon, on a un autre problème qui serait un problème de présence au sein de cette Assemblée. Voilà. La liste d'émargement restant ouverte un certain temps, vous le savez très bien. Monsieur Bell. Pour pouvoir statuer, il faudra bien annoncer le quorum en début de séance, c'est ça ? Le quorum, il est simple, c'est la moitié des conseillers. Donc oui, la moitié des 233. Mais il faudra l'annoncer à chaque séance, c'est ça que je veux dire. Oui, pour délibérer valablement. D'accord, ok, très bien. Très bien. Donc je propose de passer au vote de l'amendement 22. Le scrutin est ouvert. Alors, tout le monde a voté, je pense. Donc, le scrutin est clos. Et il y en a deux qui sont rentrés juste à la fin. 161 pour, 0 contre, 5 abstentions. Et donc, il faut voter l'article 33. Voilà, le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. 159 pour, 0 contre, 6 abstentions. Donc l'article 53 est adopté. Nous allons passer donc à l'article 36, amendement 23. C'est un amendement rédactionnel. C'est être conforme à un de nos engagements sur une communication publique sans stéréotype de genre. Voilà. Donc voilà, et on dit la chose suivante, en séance plénière, là, les rapporteurs présentent le projet d'avis le mardi ou le mercredi. Cette présentation est suivie de l'expression de chacun des groupes qui le souhaite. Nous allons, scrutin ouvert.
Ah, on a un deuxième bon score, je pense. Bon, 167 pour. Le scrutin est clos, parce que normalement, sauf que quelqu'un soit apparu entre-temps, le scrutin est clos et... Pascal, ça s'adresse directement à toi. Hein. 167 pour. Voilà, bravo. Non. Oui, aussi, oui. Oui, parce qu'il peut y avoir deux par rapporteur, mais il y a la parité aussi. Oui, ok. Bon. Allez, maintenant, vote de l'article. Vous passez à l'article. Allez. Ouais, c'est le livre. D'accord. Je crois que c'était la mise aux normes. La mise aux normes, on va la faire pour tout. Vous voyez, comme quoi. C'est très bien, ça a permis. Pourquoi la parité, c'est un problème. Ça a permis de passer un score total. Oui. Le pluriel, non, peut-être pas eu la même. Attends, on va voir l'article. Non, non, si. On va rester concentré, parce que si à la tribune, on se dissipe. Donc, article 36, tout le monde a voté ? Bon, Pascal me dit qu'il en manque qu'un. Le voilà. Alors là, il y en a qui s'abstient. Bon. Bon, alors je le laisse s'interroger lui-même. Donc article 15, article 36 adopté, pardon. Amendement 24 de l'article 37. C'est un amendement de coordination sur le numéro de l'article. On change à la fin article 44 au lieu de 45. Donc les membres du Conseil ont le droit de présenter des amendements au projet d'avis soumis à la discussion devant l'Assemblée. Celle-ci se prononce selon les modalités définies à l'article 44 et non pas 45. Ah, bon. Alors, Monsieur Badré, visiblement, je pensais que ça n'allait pas poser de problème. Allez-y, Monsieur Badré. Il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Alors, il y a Madame Cru, par contre. Oui, effectivement, j'ai demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aller dans le sens de l'intervention de Monsieur Deschamps tout à l'heure, en début de séance. Rappeler que la séance plénière d'hier, ce que nous avons vécu, ne peut que contribuer à discréditer le CESE et notamment la plénière, mais également les travaux réalisés dans la section, et que ça porte atteinte à la qualité des travaux, y compris des travaux des groupes, puisque la délibération s'est faite, vous avez vu, y compris au milieu de la plénière, et ça n'aide pas à une réflexion de qualité. La CGT, le groupe de la CGT vous demande à ce que, instamment, le bureau remette l'ouvrage sur le métier dans les plus brefs délais. Le groupe de la CGT fera une proposition à ce qu'on revienne à ce qui se passait deux mandatures antérieures, à savoir que les amendements étaient déposés la veille à midi dernier délai, ce qui permettait à la formation de travail de procéder à l'examen des amendements et qui permettait au groupe d'avoir le matin des plénières les amendements et le texte amendé et qui permettait au groupe de travailler sereinement. Comme il n'est pas possible, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, d'amender en séance, le groupe de la CGT ne votera cet amendement que si le président du Conseil s'engage à refaire travailler le bureau sur cet article. Je vous remercie. Alors Hélène, et puis je dirai un mot. Voilà. Alors, Hélène. Pas. Si, ça y est. Juste pour dire que le groupe Force Ouvrière soutient la demande donc exprimée par Fabienne au nom du groupe de la CGT, parce que nous considérons qu'hier, si les groupes avaient pu se consulter rapidement avant de revenir en plénière, nous aurions, je crois, évité ce qui a pu apparaître comme du désordre. Monsieur Riesenthaler. Oui, effectivement, comme l'a dit Jean-Carl Deschamps tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments du règlement intérieur qu'il faudra également revoir. Celui-ci en particulier, mais je pense que ça relève strictement de la responsabilité du bureau en lien avec les groupes pour décider de la façon dont les choses vont se passer, les amendements à proposer. Nous allons alors...
Comme il n'y a pas d'autres demandes de parole, nous allons en discuter avec le prochain bureau. De façon à mettre en place une procédure sur laquelle on est, sur laquelle on n'ait plus de difficultés pour la suite. Voilà. Hier, nous n'avons fait que d'appliquer un règlement intérieur, qui est sans doute peut-être quelque peu bancal. Je le reconnais. Ceci, on n'a fait que l'appliquer, quoi. Rien d'autre. On va le regarder, on va se poser la question au bureau et on verra à ce moment-là comment on peut traiter le sujet. Voilà. On va procéder donc au vote sur l'amendement numéro 24. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? C'est bon ? Le scrutin est clos. Pour 154, 1 contre, 12 abstentions. Donc l'amendement 24 est adopté. Donc on est toujours sur l'article 37. Donc il faut passer au vote de l'article 37. Donc le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté, parce qu'il en manque quelques-uns, mais 50, 11. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos, on y arrive. Pour 155, 0 contre, 12 abstentions. Donc l'article 37 est adopté. On passe à l'article 43, amendement 25, c'est un amendement rédactionnel. Les contestations peuvent être soumises par les membres du Conseil au bureau de l'Assemblée qui statue sur leur prise en considération. Pas de demande, donc le scrutin est ouvert. Le compte est bon, le scrutin est clos. Pour 167, 0 compte, 0 abstention. Donc l'article 43 est adopté. Nous passons à l'article 44. Numéro 25. L'article. Ah, je suis allé plus vite. Alors l'article maintenant. L'article 43. Le scrutin ouvert. Je l'ai rayé un peu vite. Bon, soyez patients, ben, voilà, ça devrait partir, là, je pense. Non ? Chine a surchauffé. Voilà, c'est parti. Tout le monde, il m'en manque un peu, mais on doit y arriver, je pense. Voilà. Tout le monde a voté ? Oui ? Le scrutin est clos. 165 pour, 0 contre, 0 abstention. Article 44. L'adoption d'un projet d'avis en séance plénière requiert un nombre de votes pour supérieur au nombre de votes contre. Donc, c'est à regarder, bien sûr, au regard de l'article 33 qui instaure un quorum, ce dont nous avons décidé précédemment. Et donc, ce présent amendement instaure une modalité de votation simple dans son mode opératoire. La conséquence est que le vote d'abstention
a un sens réel car il ne s'additionne pas, comme aujourd'hui, au vote contre. Alors, Monsieur Bruno Gentil, Madame Levaux, et après Monsieur Fauvel, Madame Fauvel. Donc, Monsieur Gentil. Merci, Monsieur le Président. Nous serons d'accord, je pense, sur le fait que l'intérêt de tous est que notre Assemblée parvienne, en particulier sur les projets d'avis, à un haut niveau de consensus, chaque fois que cela est possible. Inversement, quand ce n'est pas possible, il nous semble important de pouvoir aussi acter cela par nos votes. Dans cette logique, et prenant acte de du fait que la fin d'un vote abstention qui, jusqu'à aujourd'hui, est assimilé à un vote contre, nous avons, en temps utile, proposé un amendement de compromis qui permettait d'avoir un premier tour de scrutin avec l'ambition d'aller vers, et l'exigence d'aller vers une majorité absolue, et, si ce n'était pas le cas, un second tour avec une majorité simple. Cet amendement ayant été rejeté par la majorité du bureau, nous voterons contre ce projet d'amendement, contre une proposition qui pourrait se traduire par des avis votés avec un faible nombre de suffrages, ce qui ne motiverait pas la recherche initiale d'une majorité nette et qui, de plus, pourrait donner une mauvaise image de notre Conseil. Madame Levaux. C'était une proposition que vous allez refuser, mais c'était pour faire des économies aux 16. Je pense qu'il faut retirer le bouton jaune. Là, ça devient perfide. Ça n'a pas de sens. Après, monsieur Asquiri. Oui, il y a madame Fauvel, pardon. Pardon. Madame Fauvel. Madame Fauvel. Non, madame Fauvel et après, monsieur Asquiri. Donc, merci, président. Pour ce qui concerne le groupe Force ouvrière, nous sommes favorables au maintien en l'état. De notre point de vue, changer aujourd'hui, il faut que le nombre de votes pour soit supérieur à la moitié des votants. Donc là, on nous dit, il suffira que le nombre de votes pour soit supérieur au nombre de votes contre. Je dirais, la question n'est pas de neutraliser ou pas les abstentions. La question, elle est que, où on est à la majorité absolue, où on est à la majorité simple, enfin la majorité relative. Le problème, c'est surtout vis-à-vis de l'extérieur. Imaginons que, par exemple, on soit 200 dans la salle, il y a 200 votants, il y en a 100 qui s'abstiennent. Sur les 100 qui expriment véritablement un vote, il y en a 51 qui votent pour, 49 qui votent contre. Honnêtement, alors c'est volontairement caricatural, mais enfin pour expliquer que nous, il nous semble que le système actuel donne davantage de crédit à nos avis quand ils sont votés. Alors, monsieur Asquiri. Oui, j'ai un peu la même opinion. Nous sommes une assemblée consultative. Et donc, on émet des avis, et ces avis doivent avoir un poids vis-à-vis de l'extérieur pour avoir une portée et être entendus. Et donc, plus le vote est un vote large, et donc plus on a une obligation d'un vote large, plus on a de chances que nos avis soient entendus. Bon, une fois que j'ai dit ça, ça ne... Enfin, c'est aussi une question de pratique, c'est pas seulement une question de règlement intérieur. Il n'en reste pas moins, j'ai pu faire l'expérience dans l'organisation que j'ai dirigée où on a ce type de règles, que ça permet de rechercher, ça oblige à des synthèses, et ça donne, je dirais, plus de solidarité autour de ce que l'on décide. Maintenant, voilà, s'il y a une majorité pour en décider autrement sur le règlement intérieur, il y aura une majorité pour en décider autrement, mais j'ai une réserve de ce point de vue, voilà. Monsieur Pasquier. Oui, adopter un avis, c'est une démarche positive. Face à cette adhésion qui était une démarche positive, il y a deux possibilités. Soit on refuse, soit on s'abstient. Mais le vote abstention a du sens. Mais il est illogique de pouvoir adopter quelque chose si on a une majorité de gens qui ne font pas la démarche d'adopter, soit par une opposition, soit par une abstention. On pourrait quand même avoir un effet quand même très pervers d'adopter, d'adhérer à quelque chose collectivement qui n'obtient pas une adhésion majoritaire.
c'est dans la démarche même d'une adoption d'un avis, c'est quelque chose qui remet en cause même la légitimité du travail qui sera adopté. Monsieur Kader. Oui, alors il y a deux sujets. Voilà. Il y a le sujet du poids du vote, du nombre de votants sur un avis. Et ça, je pense que quel que soit le règlement intérieur, comme le soulignait Gérard, on est tous conscients que la portée d'un avis sera d'autant plus forte que le nombre de votants pour cet avis aura été important. Donc je pense que cet objectif restera partagé par l'ensemble de l'Assemblée et en particulier par les rapporteurs. Et puis il y a la signification de l'abstention. Je crois que ce qui a amené les membres de l'Assemblée précédente et a soulevé cette question, et puis donc qui a donc été reprise par les travaux du bureau autour de cet amendement, c'est que quand même s'était développée une pratique qui consistait à ne pas exprimer clairement le refus de voter un avis par une abstention qui permettait, dans les faits, d'aller vers le refus de l'adoption de l'avis sans l'exprimer clairement. Alors pour moi, pour nous, CFDT, il nous semble clair qu'on a donc trois possibilités en face d'un avis, qui sont bien trois significations différentes. Soit on est pour l'avis et on le vote, soit on est contre l'avis et on le vote, soit on n'arrive pas à se déterminer par rapport à l'avis qui est proposé, ce qui doit être, à notre sens, quelque chose de relativement rare. Et dans ce cas-là, on a l'abstention. Mais c'est bien trois expressions différentes. Confondre finalement en recherchant, c'était le but du règlement précédent était sans doute autre, mais dans les faits, confondre le vote abstention et le vote contre, c'est à notre avis dénaturer le sens du vote et de l'engagement de chacun des conseillers au moment de celui-ci. C'est Madame Méga. Ok, merci. Oui, je reprends d'ailleurs d'où l'importance. On a vu tout à l'heure un des articles sur la constitution de groupe, par exemple. Nous, on a été partagé. Moi, personnellement, j'ai été partagé, puisque je ne trouvais pas normal qu'ils ne puissent pas constituer leur groupe. Donc, je ne vote pas l'article, je vote l'abstention parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, si, en l'état actuel des choses, mon expression ne peut pas compter, ça pose un problème. Ce n'est pas pour autant qu'on n'adhère pas aux autres parties du texte. Pas d'autres demandes de parole ? Non ? Donc, nous allons donc procéder au vote sur cet amendement numéro 26. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté ? Non ? Tout le monde a voté, là ? C'est bon ? Le scrutin est clos. 122 pour, 33 contre, 11 abstentions. Donc cet amendement est adopté. Nous allons passer donc au vote sur l'article 44. Donc le scrutin est ouvert. Voilà, c'est parti. Tout le monde a voté, là, c'est bon ? Ah, ça tourne un peu encore. C'est bon ? Le scrutin est clos. 122 pour, 30 contre, 12 abstentions. L'article 44 est adopté.
Article 53. En fait, c'est un article de... C'est un amendement de suppression, mais on le retrouvera au nouvel article 58. Hein. C'est pour une meilleure articulation des articles. Donc, voilà. Donc, le scrutin est ouvert. C'est difficile de voter un article qui n'existe plus. Tout le monde a voté ? Donc le scrutin est clos. Et comme le fait remarquer Annie, nous gagnons un tour, puisque comme l'article est supprimé, il n'y a pas lieu de voter cet article. Voilà, donc passons à l'article 54. Donc on a un amendement 28. Alors là, il y a eu des déplacements. Hein. L'ancien article 58 devient l'article 53, vous le verrez, on l'a vu. Dans cette nouvelle architecture. Alors l'article 53, puisqu'il y a eu, un espace vide, et l'article 54 viendra après. Donc sur l'article 53, amendement 28, c'est les indemnités des membres du Conseil et des personnalités associées sont calculées et mandatées mensuellement. C'est donc une nouvelle architecture. Le scrutin est ouvert. Sur l'article 53, oui. Donc, tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Pour 164, abstention 2. Donc, l'amendement 28 est... voter, donc on est obligé de voter cette fois sur l'article 53, parce qu'il a été recréé à cet endroit, et donc vote sur l'article 53, scrutin ouvert. Tout le monde m'en manque un peu, mais tout le monde a voté, non? Ça bouge encore un peu. Encore deux, ils ne veulent pas venir, Pascal. Donc on va considérer le scrutin clos. 162 pour, 2 abstentions et 0 contre. Donc voilà pour l'article 53. Amendement 29. Amendement 29, article 54. C'est un amendement rédactionnel et possibilité d'un prélèvement partiel sur l'indemnité représentative de frais. Article 54, les membres du Conseil peuvent transférer au bénéfice des organisations syndicales, associatives ou professionnelles qui les ont désignées la rémunération et l'indemnité qui leur sont allouées en application des articles 1er et 2 du décret numéro 59-602 du 5 mai 1959. Ils peuvent autoriser un prélèvement de leur indemnité représentative partielle de leur indemnité, leur indemnité représentative de frais au profit de leur groupe. Pardon. Le scrutin est ouvert. Ça fera qu'on revoit ça. Mais je sais. Mais si, le problème, c'est. Vous l'avez prévu. Si, je l'ai fait exprès. Tu veux deux. Parce que j'ai pas voulu changer. Tout ou partie, oui. Ouais. Un verre d'eau. Je vais le relire. Ouais. Je relis le article 54, hein, parce qu'il y avait des annotations pour qu'on soit bien clair. Les membres, pour être
bien en phase, amendement rédactionnel et possibilité d'un prélèvement partiel sur l'indemnité représentative de frais, ça c'est l'objectif. Et donc l'article 54 qui doit être écrit derrière moi, c'est les membres du conseil peuvent transférer au bénéfice des organisations syndicales, associatives ou professionnelles qui les ont désignés toute ou partie de la rémunération et de l'indemnité qui leur sont allouées en application des articles 1er et 2 du décret 59-602 du 5 mai 1959. Ils peuvent autoriser un prélèvement partiel de leur indemnité représentative de frais au profit de leur groupe. Voilà. Voilà. Et tout est voté. Donc tout le monde avait bien vu. Voilà. Parfait. Ça, c'est le... Donc il faut voter l'article 54 maintenant. Le vote est clôturé parce qu'il a été affiché. Non, il n'a pas été affiché. Alors, bon, vote clôturé, il doit s'afficher. En fait, on a... Ah ben, il y avait 166. Il y avait 0 abstention et 0 contre. 166 pour, 0 contre, 0 abstention. Voilà. 166 pour, 0 contre, 0 abstention. Donc on vote l'article maintenant. 54. Ouvrir le vote, scrutin ouvert. Allez, tout le monde a voté, parce que visiblement, il en manque trois, mais tout le monde a voté, le scrutin est clos. Pour 159, 3 contre, 2 abstentions. Donc voilà. L'article donc 54 est adopté. Nous allons passer à l'article 55, amendement 30. Cet amendement dit la chose suivante, il prend en compte les pratiques actuelles et autorise une adaptation dans l'avenir du dispositif de présentéisme pour des conseillers investis de mandats et de missions au CESE. Évidemment, il n'y a pas d'indemnité supplémentaire, mais des absences éventuelles non pénalisées dans ce cadre-là. Et donc l'article 55 le devient, l'indemnité représentative de frais prévue à l'article 2 du décret 59-602 du 5 mai 1959 peut varier selon des modalités arrêtées par le bureau sur proposition des questeurs en fonction des présences en séance plénière et en formation de travail ainsi que des mandats et missions exercés au sein du Conseil. Madame Levaux. Merci, Président. Juste une petite remarque de précision. Dans l'article 55 initial, on parle des scrutins. Et là, on parle des présences. Et à nouveau, je pointe quand même la question de est-ce que finalement l'ensemble de notre Assemblée, ce qui est important, c'est qu'elle soit présente, ou est-ce que le fait d'être encore là pour les votes, c'est important? Donc voilà, cette notion qui a disparu dans l'amendement 30 sur les scrutins, au profit de la présence, je l'ai juste souligné qu'en ce qui me concernait, ça me questionnait. Non, enfin, Annie me dit qu'on n'a jamais fait le décompte. Bon. Ceci dit, ce qui est clair aujourd'hui, il y avait un questionnement, évidemment, par rapport à ces indemnités de frais qui étaient attribuées aux conseillers, que certains s'investissaient énormément, évidemment, au bureau ou ailleurs, et qu'il convenait à ce moment-là d'essayer d'en tirer, évidemment, d'en tirer toutes les conséquences. C'est ce que propose cet article. Ça ne répond pas, évidemment, au sujet évoqué. Ben, nous, on l'a traité, évidemment, comme on l'a dit, dans la modification des articles tels qu'ils ont été proposés. Donc, j'ouvre le scrutin. Sur l'amendement 30. Oui. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. 161 pour, 0 contre, 5 abstentions. Maintenant, nous allons faire le vote sur l'article 55. Le scrutin est
est ouvert. Celui-là, ça. Donc, tout le monde a voté ? Oui, je pense. Donc, le scrutin est clos. Pour 162, contre 0, abstention 5. Donc, l'article 55 est adopté. Après, nous avons deux amendements de suppression, l'amendement 31 et l'amendement 32. Donc l'article 56, les réductions d'indemnité en cas d'absence, évidemment, aux séances des formations du Conseil peuvent être supprimées pour les membres ayant assumé la charge d'un rapport, d'une étude ou d'un avis au cours d'une année dans le cadre de ces travaux, évidemment, comme c'était renvoyé aux dispositions incluses dans l'article 55. Et puis l'article 58, les indemnités des membres du Conseil et des personnalités associées sont calculées mandatées mensuellement. Cette suppression, elle est remplacée par un nouvel article 58. Voilà. Donc, sur ces deux amendements de suppression, on va les passer de façon globale. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Et donc, pour 166, 0 compte, 0 abstention. Chapitre 5, on change de chapitre. Amendement numéro 33, autre disposition. Article 57. La présidente du Conseil et les présidents de groupe se concertent pour tendre à la parité femmes-hommes dans la composition de l'ensemble des instances de gouvernance du CESE, bureau du Conseil, présidence et vice-présidence des sections et délégations. Donc c'est un amendement qui tend à la parité dans l'ensemble des instances de gouvernance. Amendement de méthode. Voilà. Hélène. Madame Béatrice Levaux d'abord, et puis après Hélène Féauvel. Pardon, je ne l'avais pas vu. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous avions été à l'initiative, avant les élections, d'un texte qui ne tendait pas à obtenir la parité, mais qui souhaitait effectivement que nous arrivions à obtenir une parité de responsabilité. Alors, nous saluons l'effort. Je suis quand même très étonnée qu'on puisse tendre. J'aurais préféré qu'on puisse obtenir, parce que tendre, c'est vraiment... je dirais, il nous faudra au moins 3 ou 4 mandats pour arriver au résultat à ce rythme-là. Donc, mon regret, c'est qu'on n'ait pas mis pour obtenir la parité, ce qui était quand même un verbe actif un petit peu plus puissant. Mon regret également, c'est d'être dans autre disposition. Je pense que la parité aurait mérité autre chose que autre disposition. J'ai fait quelques remarques dans les articles précédents et j'espère qu'on aura l'occasion, petit à petit, à ce que tout ça se construise. Deuxième remarque... je pense que on doit avoir une préoccupation permanente dans cette assemblée, au-delà des sourires que peuvent parfois, je dirais, donner cette impression de vouloir exister en tant que femme. C'est pas là le propos. Je pense qu'il est important dans notre assemblée, qui est paritaire dans sa composition, d'avoir une stricte parité de responsabilité, et je maintiens les mots de mon amendement. Deuxième point également, je souhaiterais qu'on soit sensible dans les nominations des membres du CESE dans les organisations extérieures, qu'il y ait aussi cette sensibilité à tendre vers la parité. Et enfin, troisième point pour le prochain mandat, puisqu'on a bien compris que pour celui-ci, les choses étaient un petit peu terminées, je vous propose de doubler les membres du bureau pour pouvoir avoir vraiment une parité. Merci. Merci, Marie-Béatrice. Madame Fauvel. Alors, pour le groupe Force ouvrière, alors nous entendons bien et nous comprenons bien qu'il faut tendre vers la parité. Il n'en demeure pas moins que cet amendement tel qu'il est rédigé, suppose qu'avant toute élection,
dans cette maison. On se soit tellement concerté que finalement tout soit décidé à l'avance. Ce qui n'est pas sans poser quand même quelques soucis. Puisqu'il faut se concerter pour tendre à la parité. Et ça présente un deuxième inconvénient. Je précise, moi je suis pour la parité. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça interfère dans la gestion des groupes. Il ne faut pas que ça interfère dans la liberté des groupes de désigner un tel ou une telle dans telle formation de travail en fonction de ses compétences et non pas de son genre. Donc ça peut aboutir quand même à ce que finalement tout soit complètement cadenassé et que tel groupe ou tel groupe, en fonction de la répartition des présidences ou des vice-présidences dans les sections et dans les délégations, pour le coup, il n'y a plus aucune liberté de manœuvre pour les groupes. Alors il ne faut pas que la parité aboutisse à ça. Parce que moi, je pense sincèrement que ça serait le plus mauvais service à rendre aux femmes. Si ça aboutit à une espèce de blocage où les groupes n'ont plus aucune liberté de décision sur qui. Nous, pour ce qui nous concerne, nous, on envoie les camarades dans les formations de travail en fonction de la compétence qu'ils ont pour être dans telle ou telle formation de travail, pas en fonction de leur genre. Alors, nous, ce que nous proposons, c'est qu'à ce stade, ça puisse s'arrêter au bureau. Et c'est vrai que si on regarde bien les choses dans cette mandature, c'est bien d'ailleurs au bureau que le problème se pose et pas tellement dans les formations de travail. Merci. Donc il n'y a pas d'autres demandes de parole. Donc on va procéder au vote sur cet article 57. Le scrutin est ouvert. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. 137 pour, 10 contre, 20 abstentions. L'article 57 est adopté. Article 58, c'est en fait l'ancien article 53 qui devient l'article 58. Il est interdit à tout membre du conseil et à toute personnalité associée d'user de son titre de conseiller ou de personnalité associée pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat. Voilà. Madame Levaux ? Non. Moi, c'est une erreur. Alors, monsieur Asquiri, par contre. Oui, voilà. C'est pour une demande d'explication, parce qu'on a eu ce débat dans notre groupe et on s'est posé la question, quel est le sens que l'on doit donner à user de ? Est-ce que c'est faire état ou est-ce que c'est se prévaloir de ? Ah. C'est-à-dire, en gros, un certain nombre d'entre nous apparaissent dans les médias ou pour d'autres raisons et ils apparaissent avec le titre de membre du conseil. Est-ce que ça leur est interdit ou est-ce que c'est ce qui est interdit, c'est d'utiliser ça pour obtenir un privilège ou une parole auquel ils n'auraient pas droit ailleurs ? Alors, pour être tout à fait honnête et pour bien répondre à cette question, comme on est en train de travailler sur la notion d'ambassadeur des CESE, on pourra apporter dans ce cadre-là toutes les précisions utiles pour savoir à quel moment on peut utiliser ou pas en fait sa qualité de membre du CESE. C'est-à-dire, on le voit bien, il peut y avoir des situations où on peut détourner évidemment cette utilisation à des fins personnelles ou à d'autres fins. Donc on va essayer de travailler la question et on ne manquera pas de revenir vers vous et on va ouvrir ce sujet-là au sein du bureau et puis après avec vous. Voilà. Là, on n'a fait que de reprendre l'article tel qu'il était là, on l'a déplacé, hein, c'est tout. Donc, il y a d'autres demandes. Adam Méga, M. Béal, M. Bougrain-Dubourg. Merci. C'est une précision très importante. On y a passé énormément de temps. Et pour nous, c'est important d'avoir quand même un cadre. Parce que, enfin, moi, j'interviens beaucoup dans les médias et souvent, ils me présentent en tant qu'artiste, mais aussi en tant que membre du Conseil économique et social et environnemental. Donc, à quel moment notre rôle, justement, s'arrête ? Est-ce qu'on doit interdire, justement, aux médias de mettre cette dénomination ? Parce que nous, moi, j'interviens beaucoup sur les sujets de société et tout ce qui touche au quartier populaire. Donc, à quel moment on estime que je peux ou pas
leur dire aux médias de mettre ou pas, parce qu'ils le mettent de facto maintenant. Moi, j'en parlais pas au début, c'est eux qui le mettent désormais. Mais donc, c'est, pour nous, c'est important quand même de le savoir dans ce cadre-là. Alors, M. Béal et M. Bougrain-Dubourg, puis après, je ferai une réponse. Oui, c'est pour aller dans le même, pour aller dans le même sens. On a même une carte d'identité aux couleurs du CESE. Donc, à quoi elle sert, quoi ? Donc, on peut se poser la question. Monsieur Bougrain-Dubourg. Même remarque, oui. C'est un peu surprenant dans la mesure où on nous demande par ailleurs de valoriser le 16 à l'extérieur. Et là, on voit bien qu'on aurait des réserves à représenter le 16. Donc ça mérite pour le moins un éclairage. Voilà. Non, alors, ce qui est proposé là, et on n'y a pas touché pour l'instant, parce qu'on pensait que ça méritait une large réflexion et peut-être de mettre en place une espèce de charte de déontologie lorsqu'on évidemment, on est avec ce mandat CESE. C'est juste un déplacement de l'article. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas traité ce sujet-là. Ce qui vous proposez, c'est de le replacer à un endroit plus, voilà, plus cohérent par rapport à l'articulation des différents articles. Ce n'est pas un article que nous avons écrit et qui ne correspond pas forcément à ce que peut-être beaucoup d'entre nous pensons. Donc c'est la raison pour laquelle on a évoqué le sujet d'ambassadeur, de charte de déontologie. Et donc, voilà, on est simplement sur le déplacement d'un article. On le prend, on le remet là, parce qu'il est plus judicieux de l'avoir là plutôt qu'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion là-dessus. Il est très important, me semble-t-il, pour ma part, que chacun puisse valoriser à l'extérieur le CESE. Après, il faut remettre, bien sûr, le cadre, la charte, et voilà, que tout le monde soit bien d'accord sur la façon dont tout ça peut se faire. Mais on ne l'a pas traité ici. On vous propose simplement de le mettre à un autre endroit. S'il y a des demandes de parole, il faut les faire dans l'ordre. Il y a M. Bocara, Alors, merci Monsieur le Président. Oui. Donc c'est important que vous ayez fait cette interprétation et que publiquement on l'entende, qu'elle soit notée. D'autant plus que de toute façon, le fait qu'on soit membre du CESE, c'est public. C'est même sur le site, etc. On n'est pas du tout comme un fonctionnaire avec le devoir de réserve. C'est très important que nous sommes des femmes et des hommes libres, de ce point de vue. C'est pourquoi la formule, on en a beaucoup discuté, les personnalités qualifiées, on est peut-être plus interpellés sur cette question, et on verra sur quoi on chutera si la réflexion s'ouvre, mais de mettre plutôt prévaloir, se prévaloir de, que user, qui est beaucoup trop large. Bon, j'entends, il n'en reste pas moins qu'on va voter un article, quoi. On ne vote pas un déplacement, on vote un article. Donc je suis extrêmement gêné pour le vote. Je ne pourrais pas voter cet article, quoi. On vote un déplacement. Oui, attendez, j'ai Madame Popelin. Il y a Monsieur Bougrain-Dubourg d'abord, puis après Madame Popelin. Oui, j'imagine que derrière cet article, vous voulez valoriser le conflit d'intérêts. C'est ça. Est-ce qu'on va user... Oui, valoriser, c'est-à-dire... Je m'abstiens de voter pour, parce que je ne suis pas contre. Non, en vérité, je pense qu'on a compris la même chose. C'est on a compris l'intérêt qui pose problème. Oui. Et c'est pour ça qu'il Exactement. Y a cet article. Donc, Exactement. Il faut peut-être le rédiger plus clairement. Il faut qu'on Moi, le re-rédige. Je suis un peu gêné de déplacer un article qui, finalement, ne convient pas. Voilà. Je crois que je n'ai plus personne. Donc, on va... Alors, Mme Popelin, qui a disparu des écrans radars, mais je lui donne la parole. De toute façon, je vais juste répéter, redonder par rapport à ce que disait Alain Bougrain-Dubourg. Je crois que la rédaction est maladroite, parce qu'effectivement, c'est plutôt pour à des fins mercantiles ou un enrichissement personnel. Sinon, nous avons des cartes de visite, vous nous invitez à tweeter ou à évoquer le CESE dans les réseaux sociaux, donc je ne vois pas très bien comment on pourrait tweeter ou distribuer nos cartes au regard de l'amendement 34. À mon avis, il faudrait revoir la rédaction, qui est très maladroite. C'est vrai que c'est une très ancienne disposition au sein du CESE. Bon, elle est là, on aurait peut-être pu la supprimer. Il y a plein d'autres choses qui sont à l'intérieur sur lesquelles on aurait pu aussi aller. Là, on a pris un certain nombre d'articles qui nous paraissaient importants. C'est la proposition du bureau. Celui-ci, pour plus de cohérence, on l'a ramené à cet endroit-là. Ça ne
présume pas du tout, à un moment donné, des conclusions qu'on pourra avoir sur la réflexion qu'on a, justement, d'ambassadeur pour après, un peu de charte de déontologie voilà, qui doit nous animer lorsqu'on s'exprimera au nom du CESE. Et c'est mon souhait le plus fort. Voilà. Allez, maintenant, on passe au vote. On passe au vote sur cet article 58, amendement 34. Le scrutin est ouvert. C'est bon, tout le monde a voté. Le scrutin est donc clos. Pour 126, 16 contre, 22 abstentions. Donc on vote maintenant l'article 58. Le scrutin est ouvert. Je vais peut-être un peu vite, mais là, voilà, c'est parti, je pense. Enfin, le scrutin est ouvert, c'est parti. Article 58. Tout le monde a voté ? Le scrutin est clos. Alors pour 130, 11 contre, 24 abstentions. Donc article 58 adopté. Amendement 35, article 59, disposition transitoire, c'est le dernier. Voilà, donc cette disposition transitoire, je l'ai évoquée au moment de l'article 3. Premier amendement, voilà, c'est pour permettre évidemment qu'il n'y ait pas de renouvellement intégral de bureau, de faire en sorte que les deux postes de vice-président à pourvoir se font via l'élection en plénière. Les conseillers qui occupent actuellement les postes de VP et questeur ne se présentent pas à cette élection. Dès lors que les deux nouveaux postes de VP auront été pourvus par l'élection, les quatre autres postes de secrétaire seront de fait occupés par les anciens membres. Cela ne nécessite pas de nouvelles élections. Donc je vous lis ce nouvel article transitoire. Jusqu'au plus prochain renouvellement intégral du bureau suivant l'entrée en vigueur de la modification du premier alinéa de l'article 3 du règlement intérieur, les sièges des deux vice-présidents créés au terme de cette modification donnent lieu à élection par l'Assemblée de deux membres du bureau n'ayant ni la qualité de vice-président ni celle de questeur. Les postes de secrétaire dont la création résulte de la même modification sont ensuite pourvus par la désignation en cette qualité des membres du bureau autres que le président, les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires et secrétaires déjà élus. Madame de Bettencourt. Merci. Nous avons juste une interrogation sur le fait de mettre une disposition transitoire dans le règlement intérieur qui, par définition, est censé durer. Et que là, on sait bien pourquoi c'est pour cette fois-ci. Mais quelle valeur ça va avoir à partir du moment où la transition sera passée et le fait d'être dans le règlement intérieur. Alors, je comprends bien qu'il doit y avoir une... Enfin, en tout cas... À partir du moment où ça sera, le renouvellement du bureau sera fait, à quoi correspondra cet article ? Cet article deviendra caduque après, c'est tout. Cet article, il est là, il est destiné, il doit être dans le règlement intérieur, il est destiné vraiment à sécuriser en fait la mise en place de la mandature du 2 décembre et après il devient caduque. L'élection du 2 décembre, oui. Ah oui, sinon on remet tout en cause, c'est pas compliqué. Sur le 2 décembre, il y a beaucoup de dates, beaucoup d'événements. Voilà. Alors, il y a M. Deschamps et M. Pasquier. Oui, pour répondre à la question qui a été posée, on peut aussi se dire que comme on sera amené à remodifier le règlement intérieur, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, M. le Président, on le supprimera à ce moment-là. C'est une raison de plus de le faire. C'est une bonne remarque.
Monsieur Pasquier, pardon. Non ? Oui, oui, oui. Oui. On nous a expliqué qu'il n'était pas facile et pas possible de créer un 19e groupe. On s'aperçoit, à la complexité de la formulation de cet article, de cet amendement, qu'il n'était pas très simple de formuler la création de deux nouveaux postes de vice-président, mais malgré tout, on a réussi à le formuler d'une façon pas très compréhensible d'ailleurs. Je pense qu'on aurait pu faire plus simple pour créer un 19e groupe, et le groupe Solidaires et Paysans pourrait exister aujourd'hui. Nous allons donc passer au vote. Le scrutin est ouvert. Oui, à bientôt. Merci, Pascal. Tout le monde a voté. Il y a eu un non, non? Oui. Donc le scrutin est clos. Pour 150, 6 contre, 9 abstentions. Alors, mesdames et messieurs, donc nous allons procéder au vote global du texte. Voilà, pour valider ce nouveau règlement intérieur. Après. Donc, le scrutin est ouvert. Ah, sur l'ensemble. Ouais. Tout le monde a voté, je pense que oui. Donc, le scrutin est clos. Et donc, ce nouveau règlement intérieur, pour 150, 5 contre, 11 abstentions. Alors, mes chers collègues, nous avons donc adopté notre règlement intérieur. Ce vote, comme je vous le disais en début de séance, est une étape importante, un moment décisif qui permet désormais à cette mandature de disposer de bases solides, et je tiens à vous en remercier. La mise en application, c'est un point important, la mise en application de ce règlement intérieur sera effective lorsque le décret aura été publié. C'est alors seulement que pourront s'appliquer les dispositions que nous venons de voter. Voilà. Un point, bien sûr, que nous tiendrons nos engagements sur une communication publique sans stéréotype de genre. Donc, nous modifierons à l'intérieur tous les articles qui ont besoin d'être modifiés par rapport à cette préoccupation. Voilà. Deuxième séquence, le rapport annuel sur l'état de la France. Je vous parlais tout à l'heure d'un certain nombre de sujets importants pour notre conseil, orientation stratégique, règlement intérieur. Aujourd'hui, nous avons un rapport à produire, un rapport annuel sur l'état de la France, dont je dois vous dire deux mots, puisque dans l'hémicycle, certains en connaissent parfaitement l'existence, les ombres et les lumières, mais d'autres moins ou pas du tout. En premier lieu, il faut savoir que le rapport annuel sur l'état de la France est pour notre conseil la seule saisine obligatoire. Il est de notre devoir de le produire chaque année, le produire et le voter. Il faut savoir en second lieu que ce rapport est pour les plus anciens d'entre nous une sorte de serpent de mer, pour une raison simple, le format exact, la méthodologie à suivre, la nature même des indicateurs à prendre en compte pour dessiner cet état de la France ont souffert de pas mal d'imprécisions sous le mandat précédent. Mes chers collègues, la situation est fort heureusement plus claire depuis l'automne dernier. Les indicateurs qui seront la base de départ de notre travail ont été choisis par le gouvernement fin 2015, ils l'ont été à partir d'un travail en commun réalisé par le CESE et France Stratégie. France Stratégie étant, je le rappelle, l'institution héritière du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, placée sous l'autorité du Premier ministre.
La section de l'économie et des finances du CESE jouera un double rôle, un rôle d'analyse s'agissant des indicateurs qui la concernent, et un rôle de chef d'orchestre, ensuite, puisqu'elle coordonnera les productions des autres sections chargées d'analyser leurs propres indicateurs. Tout ce travail d'analyse formera la première partie du rapport sur l'état de la France. La deuxième partie du rapport, c'est ce qu'a prévu et arrêté notre bureau, reposera sur ce que nous avons appelé un focus. Ce focus traitera d'un objectif ou centre d'intérêt particulier, en lien bien sûr avec les indicateurs. Il sera choisi par le bureau parmi des sujets qui auront été proposés chaque année au mois de novembre par les présidents de chaque formation de travail. Pour cette année, c'est trop tard pour arrêter un focus et nous nous en passerons, mais le principe est bien celui-là. Et l'idée est surtout que ce rapport publié début juin, puisse servir au gouvernement dans le débat d'orientation budgétaire. C'est donc, à mon sens, une formidable opportunité pour nous d'être efficaces, utiles et visibles. Voilà, vous savez tout, presque tout. Ce qu'il vous reste à savoir pour compléter votre information, Philippe Leclésio, conseiller membre du bureau lors de la mandature précédente, va vous le dire, car je vais dès maintenant lui céder la parole pour nous présenter ces indicateurs de richesse dont je vous parlais un instant, fruit de la coopération entre France Stratégie et le Conseil économique, social et environnemental. Merci, cher Philippe, de votre présence parmi nous. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les conseillers, l'implication du CESE dans les débats sur les indicateurs complémentaires du PIB ne date pas d'hier, mais de 2009, quand le Premier ministre de l'époque a saisi le Conseil sur l'empreinte écologique. Une proposition de loi visait en effet à faire de cet indicateur l'instrument privilégié d'évaluation des politiques mises en œuvre en matière de réchauffement climatique et de préservation de la vie sur Terre. Le Bureau a décidé de mettre en place une commission ad hoc qui a évidemment traité de la question posée pour considérer que ça ne pouvait pas être le cas. Mais en analysant les limites du PIB et donc de l'empreinte écologique, la Commission s'est convaincue d'aller plus loin et de proposer une alternative pour apprécier le progrès de la société dans toutes ses dimensions et non plus seulement sur la base du PIB et de la croissance économique. Cet avis est la base des actions que va mener ensuite le CESE et je voudrais ici en rappeler les grandes lignes. Premier point, pourquoi le PIB n'est pas un indicateur de progrès ? Toute la fin du XXe siècle, l'indicateur qu'est le PIB, ou plus exactement le PIB par habitant, n'a cessé de gagner en importance pour devenir la référence, avec un R majuscule, des débats sur le progrès, au point d'occulter tous les autres, sauf peut-être le taux de chômage. Insidieusement, sans que ce ne soit vraiment affirmé, l'idée s'est installée que le PIB par habitant rendait compte du progrès de nos sociétés, et donc de l'amélioration du bien-être pour tous. Ce qu'il n'a jamais été censé faire. L'objet premier du PIB est en effet de mesurer la seule production marchande. Les premiers travaux en ce sens sont menés aux États-Unis pour estimer le recul de l'activité globale pendant la dépression succédant à la crise de 1929. C'est le même type de préoccupation qui va conduire à la mise en place des premiers systèmes de comptabilité nationale au Royaume-Uni en 1941, puis après la guerre en France pour mesurer les progrès de leur construction. Et ce qui n'est pas le moins intéressant, c'est que celui qu'on considère comme le père de la comptabilité nationale en France, Claude Gruson, énonçait lui-même dès les années 50 que le PIB et la croissance étaient impropres à rendre compte de l'amélioration du bien-être. Le plus étonnant, c'est qu'au lieu de s'en tenir là et de chercher à mesurer le bien-être par d'autres moyens, on va plutôt tenter d'améliorer la mesure de la production en étendant la notion aux autres secteurs institutionnels, les administrations par exemple. Et comme on ne sait pas définir la production des écoles ou des hôpitaux, on va l'estimer par son coût. La production d'un instituteur est ainsi égale à ce qu'il coûte. On intègre aussi une partie de la production des ménages, celle de leur jardin. Les travaux menés au niveau international vont alors déboucher sur une harmonisation des définitions. Les comparaisons entre pays et des PIB par tête que cette harmonisation permet vont alors alimenter les débats à l'envi avec désignation des bons et mauvais élèves, indépendamment de ce que recouvre la croissance en termes de bien-être. Pendant de nombreuses années, malgré l'avertissement de Claude Gruson, le PIB par habitant et le bien-être vont être assimilés sans que cela pose trop de problèmes. Dans nos pays européens qui sortent de la guerre avec le double souci de leur construction et d'établir une cohésion sociale forte, en France, le programme du Conseil national de la résistance donne naissance, entre autres, à la sécurité sociale.
La croissance est suffisamment élevée pour que tout le monde, ou presque, en bénéficie au travers de nombreuses conquêtes sociales. Les chocs pétroliers des années 70 et une mondialisation qui n'a cessé de s'affirmer depuis vont aboutir à des remises en cause radicales de ce modèle en Europe. D'une part, la croissance se ralentit, le chômage augmente, exerçant une pression à la baisse sur les revenus. D'autre part, ces difficultés offrent l'opportunité aux thèses libérales de se développer avec pour effet, au nom de la compétitivité, de remettre en cause les systèmes de protection sociale construits dans la période précédente. Avec des conséquences extrêmement dures pour les ménages, si on pense aux années 80 au Royaume-Uni, mais également plus près de nous, au début des années 2000 en Allemagne, avec un taux de pauvreté qui explose, passant de 12% en 2005 à 15% en 2007, pour atteindre près de 17% en 2014. Or, que constate-t-on ? Que même à un rythme ralenti, le PIB par habitant augmente. Mais aussi que tout le monde n'en profite plus, que les écarts de revenus s'accroissent, qu'une minorité de ménages se partage une fraction de plus en plus grande de la richesse produite, tandis qu'une partie croissante de la population voit son pouvoir d'achat se réduire et la pauvreté gagner, y compris des ménages qui ont un travail, les travailleurs pauvres. Ainsi apparaît la première limite majeure du PIB qui, en tant qu'indicateur, ne dit rien de sa répartition. Les exemples abondent dans le monde, bien sûr, à l'appui de ce constat, à commencer évidemment par la Chine. La seconde limite est née de la prise de conscience, trop progressive encore aujourd'hui, des atteintes causées à l'environnement par nos modes de développement. Le PIB comptabilise comme une production courante la valeur des ressources naturelles mises sur le marché, mais il ne tient pas compte des atteintes à l'environnement, comme l'épuisement des ressources ou la dégradation des actifs naturels, parce qu'aucun agent n'en supporte les coûts. En revanche, toutes les activités qui visent à remédier à ces atteintes ou à leurs conséquences négatives, en matière de santé, de confort, etc., viennent grossir le PIB dès lors qu'elles emploient des facteurs marchands. On retrouve là, d'une certaine manière, le même paradoxe que celui qui veut que les catastrophes naturelles ou les accidents de la route font grossir le PIB par les réparations qu'ils induisent, y compris les soins médicaux. Ces deux limites mettent bien en évidence que le PIB par habitant ne peut constituer un indicateur de progrès. Ainsi, l'augmentation du temps consacré au déplacement domicile-travail va se traduire par une hausse de la croissance, due à celle de la consommation de carburant, de la production automobile, alors que la dégradation de la qualité de l'air et le stress des embouteillages auront des répercussions sur la santé des personnes. Plus fondamentalement, la mesure du PIB ignore totalement la production domestique ou bénévole. Tout ce que les individus produisent pour eux-mêmes et leurs familles en est exclu, alors que cela représenterait entre 30 et 40% du PIB classique, selon certains économistes. Alfred Sauvy résumait ce phénomène d'une phrase: si vous voulez faire baisser le PIB, épousez votre femme de ménage. C'est pas très politiquement correct, je le reconnais, mais ça résume bien ce que ça veut dire, ça explique bien ce que ça veut dire. Cette critique du PIB par habitant comme indicateur du bien-être et du progrès, en définitive relativement ancienne, s'est d'autant plus affirmée qu'en parallèle, la notion même de progrès était discutée. Certains se souviennent peut-être des thèses du Club de Rome dans les années 70, mais c'est le rapport Brundtland qui va marquer le début d'une nouvelle ère en formulant le concept de développement durable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Tout est dit dans cette phrase. D'abord, répondre aux besoins. Il ne s'agit plus seulement de croître et d'accumuler toujours plus de richesses, mais de se poser enfin la question fondamentale: croître pour quoi et pour qui ? En d'autres termes, mettre l'économie au service de l'homme avec un grand H, ce qui pose la question de la répartition de cette croissance au niveau des nations comme au niveau de l'ensemble de l'humanité. Ensuite, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, qui pose la question du comment on croit en intégrant la notion des limites en matière de prélèvement opéré sur la nature et la préoccupation du renouvellement des ressources. Comme on l'a vu, le PIB ne renseigne en rien sur ces problématiques. D'où l'émergence d'une demande de plus en plus forte d'élaboration de nouveaux indicateurs à même de renseigner sur les évolutions de nos sociétés au regard des impératifs qu'implique l'avènement d'un mode de développement durable. Des impératifs d'ordre environnemental, au premier rang desquels figurent la réduction des émissions de CO2, la qualité de l'eau, la préservation de la biodiversité, mais aussi des impératifs d'ordre social qui vont bien au-delà de la lutte contre la pauvreté et de la satisfaction des besoins essentiels. Je veux parler notamment de la lutte contre les inégalités de tous ordres, de la santé ou encore de l'éducation. Ce qui m'amène au second point, à ce qui constitue, de mon point de vue, le cœur de la vie de 2009.
Dans une société démocratique, c'est bien aux citoyens qu'il doit revenir en dernier sort d'évaluer l'efficacité des politiques mises en place en faveur du développement durable et d'opérer des choix en la matière. Ce qui conduit à résoudre une question centrale qui représente un enjeu démocratique majeur. Quels sont les éléments d'information dont ils doivent disposer pour jouer pleinement leur rôle ? Nous avons commencé par trancher une première question. Puisque le PIB ne renseigne pas sur la problématique du développement durable, pourrait-on élaborer un autre indicateur unique qui le ferait ? Beaucoup de chercheurs ou d'institutions ont travaillé dans ce sens depuis de nombreuses années en produisant deux types d'indicateurs. Des indicateurs agrégés qui sont construits à partir de la somme de valeurs sur la base d'une unité de mesure commune, c'est le cas du PIB ou de l'empreinte écologique qui ont la même unité, chacun, et puis des indicateurs composites qui résultent d'une moyenne pondérée d'indicateurs élémentaires. C'est le cas par exemple de l'indicateur du développement humain, l'IDH de l'ONU, qui agrège niveau de vie, année de scolarisation et espérance de vie. Tous ces travaux sont très intéressants, mais nous avons écarté ces indicateurs pour plusieurs raisons, la plupart d'ordre méthodologique. S'agissant des premiers, comment fixer un prix au social, à la biodiversité, aux déchets nucléaires ? S'agissant des seconds, comment s'accorder sur une pondération des indicateurs de base qui fasse consensus ? Mais par-dessus tout, ce qui nous a conduit à les écarter, c'est qu'aucun de ces indicateurs ne peut prétendre envoyer toujours le bon signal aux acteurs concernés et à la population. De tels indicateurs, tout comme le PIB, peuvent s'améliorer d'année en année tout en masquant de véritables catastrophes sociales, des atteintes irréversibles à l'environnement et même les phénomènes économiques qui nous ont menés à la crise que nous connaissons encore aujourd'hui. À cette approche, nous avons privilégié une logique de tableau de bord constituée de plusieurs indicateurs économiques, sociaux et environnementaux, une quinzaine, en considérant que si on s'en donne les moyens, les citoyens sont parfaitement en mesure d'assimiler et de comprendre l'évolution de cet ensemble de données pour ensuite peser sur les choix des gouvernements. Ce qui suppose de répondre à trois défis. D'abord, d'améliorer la connaissance statistique des volets sociaux et surtout environnementaux du développement durable, en particulier la robustesse, la fréquence de mise à jour et l'actualité des indicateurs. Si nous voulons sortir du piège des moyennes, mieux appréhender les inégalités et les questions relatives à la qualité de la vie, il faut multiplier les enquêtes auprès des ménages et des individus. Évidemment, cela a un coût, mais c'est le prix à payer pour orienter le débat public sur les sujets qui préoccupent les citoyens au premier chef. Ensuite, deuxième défi, faire participer les citoyens à l'élaboration de ces indicateurs. On ne peut pas durablement voir se creuser le fossé qui sépare certaines données fournies par la statistique officielle et la perception qu'en ont les ménages, par exemple sur la question du pouvoir d'achat. Pour combler ce fossé, il faut se donner les moyens d'une réelle coopération entre les citoyens et les statisticiens, pardon, une coopération par le biais de la société civile organisée, en l'occurrence les conseils économiques, sociaux et environnementaux, nationaux et régionaux, mais aussi dans une confrontation directe avec les citoyens au travers de ce qu'on appelle des conférences de consensus. Nous avions ainsi recommandé de constituer des panels de personnes tirées au sort qui recevraient une courte formation et de leur soumettre ce tableau de bord d'une quinzaine d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pour vérifier qu'ils sont en phase avec leurs attentes. Et enfin, troisième défi, que ce tableau de bord fasse l'objet d'une présentation simple et pédagogique permettant d'en assurer la diffusion la plus large possible pour finir par constituer, en particulier dans les médias, une référence commune des débats sur le progrès de nos sociétés. Trois défis qui s'adressent d'abord au pouvoir public en ce qu'il suppose de dégager des moyens budgétaires et humains pour les relever. Tout aurait pu s'arrêter là après l'adoption de cet avis. Mais il se trouve que la loi Grenelle exigeait que la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable soit évaluée pour chacun de ces 9 défis au travers d'indicateurs qui restaient à déterminer. Et le ministre de l'Environnement de l'époque, Jean-Louis Borloo, a eu la bonne idée de proposer au Conseil d'animer la concertation nécessaire pour élaborer cette liste des indicateurs en coopération avec le CNIS et le CGDD, le Commissariat général au développement durable. Réunissant les 5 parties prenantes du Grenelle de l'environnement, les syndicats, les entreprises, les collectivités territoriales, les ONG environnementales et l'État, mais aussi par l'intermédiaire du CNIS et du CESE, des représentants de nombreuses autres sensibilités, la concertation que j'avais présidée, trop brève certainement, s'est conclue par une conférence réunissant ici même plus de 500 personnes, une liste de 19 indicateurs phares, une quarantaine d'indicateurs complémentaires et plusieurs indicateurs à construire pour répondre à des demandes que la statistique publique ne pouvait satisfaire, a ainsi été entérinée. 2 points positifs sont ressortis de cette période.
Le premier est l'élaboration d'un livret synthétique réunissant les indicateurs phares, assez proche de ce que souhaitait le CESE, bien que les indicateurs aient été en trop grand nombre. Second point positif, ce ne sont pas seulement, c'est un point essentiel, ce ne sont pas seulement des statisticiens ou des experts, même si leur rapport est évidemment indispensable, qui avaient défini cette liste d'indicateurs, mais des statisticiens et des représentants de la société civile. Beaucoup reste à faire, bien sûr. Améliorer l'actualité des statistiques, la présentation, la diffusion. Mais une fois la commande livrée, tout s'est plus ou moins arrêté. La crise, la baisse de croissance et le chômage ont à nouveau relégué au second plan la problématique du développement durable. En gros, croissons, il sera toujours temps de se préoccuper du bien-être. J'ai même entendu un conseiller de la section économie et finances asséner que nous n'avions pas les moyens de nous payer des danseuses, comme si ce n'était pas justement le développement durable qui devait sortir le monde de la crise. Il aura fallu attendre donc 4 ans pour relancer la machine. En septembre 2014, France Stratégie publie une note proposant 7 indicateurs destinés à mesurer la qualité de la croissance. Et là, pour dire les choses un peu simplement, mon sang ne fait qu'un tour. On ne va quand même pas laisser, après tout le travail qu'a fourni le Conseil, tout de même pas laisser un service du Premier ministre décider dans son coin de ce qui est bon comme progrès de la société. Je suis donc allé voir trouver le président Delevoye pour lui proposer qu'on rencontre Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, afin d'envisager de construire ensemble une liste d'indicateurs qui soit l'émanation d'une concertation approfondie de la société civile organisée, le CESE donc, et les citoyens. Jean Pisani-Ferry a accepté immédiatement et ainsi a donc commencé une nouvelle aventure. La concertation a débuté par 2 tables rondes organisées au Conseil fin janvier 2015. Elle va se poursuivre par 4 réunions réunissant comme en 2009 les syndicats de salariés et d'entreprises, les collectivités territoriales, des associations environnementales, du domaine de l'action sociale, de consommateurs, etc. Les experts des principaux services de la statistique publique ont répondu à l'invitation, un peu sur la réserve, mais ont accepté de nous prodiguer leurs conseils. Au total, donc, 60 personnes à chaque réunion, à peu près les mêmes qu'en 2009, qui ont pour objectif de retenir 10 thèmes significatifs figurant dans le cadre conceptuel fourni par l'ONU et de choisir le meilleur indicateur illustrant ce thème. Avec 3 impératifs, que les indicateurs soient robustes, qu'on puisse en suivre l'évolution sur au moins 10 ans pour la France et qu'on puisse établir des comparaisons internationales, au moins européennes. Le résultat de ces 4 séances a été sans surprise. Les 10 indicateurs phares, sauf un, figuraient parmi les 19 retenus en 2009. Des antagonismes à peu près identiques, les oiseaux contre l'artificialisation des sols, pour la biodiversité, l'emploi contre le chômage, le taux de pauvreté contre l'indice d'inégalité. Pour chaque thème, plusieurs indicateurs complémentaires ont été retenus. L'originalité du processus que nous avons suivi réside dans la seconde phase de concertation qui a consisté à interroger directement des citoyens choisis au hasard, comme le préconisait l'avis du Conseil en 2009. Je me souviens au passage des réactions à l'époque, notamment de statisticiens, tout de même, vous n'y pensez pas, les citoyens n'y connaissent rien, c'est une affaire sérieuse. Plus, sans doute, que les jugements rendus par une cour d'assises. Les 4 séances que nous avons tenues, une à Paris et 3 en province, démentent en tout cas cette prévention. J'ai vu à Tours 10 personnes de toute origine sociale confirmer en 1 demi-heure de débat entre eux, sans intervention des animateurs, l'indicateur retenu dans la première phase de concertation pour la santé, l'espérance de vie en bonne santé. Et je peux vous certifier qu'au début de ce débat, on partait de loin. La proposition commune issue de ces 2 phases de concertation a ensuite été examinée par une commission spéciale du Conseil, avant d'être adopté en séance plénière le 23 juin par 139 voix et 14 abstentions dans une résolution faisant état également de plusieurs préconisations sur lesquelles je reviendrai. Dans l'intervalle, était adoptée la loi SAS faisant obligation au gouvernement de fournir... SAS, c'est Eva SAS, c'est le nom de la députée qui avait fait cette proposition de loi. Dans l'intervalle, était donc adoptée la loi SAS faisant obligation au gouvernement de fournir au Parlement un rapport présentant l'évolution sur les années passées de nouveaux indicateurs de richesse, tels que les indicateurs d'inégalité, de qualité de vie et de développement durable.
Les travaux du CESE et de France Stratégie et leurs conclusions se sont alors révélés une aubaine pour le gouvernement qui n'avait plus qu'à puiser dans la liste des indicateurs retenus. Je vais donc vous proposer quelques diapositives mettant en regard les propositions du CESE et de France Stratégie et les choix du gouvernement. Si j'arrive à faire marcher la machine, je ne sais jamais comment c'est. Voilà. Donc vous le voyez, le tableau de bord complémentaire du PIB présenté par le gouvernement comporte bien 10 indicateurs, comme nous l'avions souhaité. Sur les 10 thèmes retenus par le CESE et France Stratégie, le gouvernement en a retenu 9. Il explique par son choix, par l'importance qu'il accorde au thème des inégalités et de la pauvreté, qu'il l'a conduit à retenir 2 indicateurs pour ce thème. J'y reviendrai au fur et à mesure. Donc il y a eu un thème de supprimer, celui de la gestion des ressources. Si on regarde dans le détail, au total, 5 indicateurs sont rigoureusement identiques à ceux proposés par le CESE et France Stratégie. Un indicateur, celui des inégalités, respecte l'esprit de la proposition, j'y reviendrai également, et 3 indicateurs figuraient parmi les indicateurs complémentaires et ont été préférés à l'indicateur phare proposé. Pardon. Un n'a pas été retenu par le gouvernement, celui sur le recyclage des déchets, du fait qu'il avait introduit celui sur la pauvreté. Je précise tout de même que les 3 indicateurs complémentaires retenus par le gouvernement à la place des indicateurs phares qui étaient proposés par la concertation étaient des indicateurs que beaucoup de participants souhaitaient voir figurer comme indicateurs phares. Les indicateurs phares non retenus sont néanmoins mentionnés dans les fiches du rapport qui est adressé au Parlement chaque année, qui l'a été au moins une fois au mois d'octobre dernier. Au total, on peut donc dire que le tableau de bord du gouvernement s'inspire très largement des propositions issues de la concertation. Sur le thème inégalité de revenus, j'ai dit que le choix du gouvernement reflétait l'esprit de la concertation et que l'ajout du taux de pauvreté en conditions de vie satisfait de nombreuses associations qu'il privilégiait à l'indicateur d'inégalité. Et tout de même cependant un peu inexplicable que le gouvernement ait retenu le rapport de la masse des 20% de revenus les plus élevés sur les 20% de revenus les plus faibles, alors que les données concernant les 10% les plus élevés et les 10% les plus faibles sont disponibles en même temps en France et au niveau européen. D'autant plus inexplicable que si le choix du gouvernement est bien de réduire les inégalités de revenus, ce que j'avais cru comprendre, l'évolution à la baisse de l'indicateur que nous proposions est plus sensible en 2013 que celle de l'indicateur retenu en définitive. Bon, voilà le graphique qu'en a fait le gouvernement pour un certain nombre de pays. L'ajout donc du thème de la pauvreté en conditions de vie par le gouvernement en complément du thème inégalité qui substitue donc au thème gestion des ressources. Le thème éducation, le gouvernement a retenu l'indicateur des sorties précoces du système scolaire. Alors il faut que je vous donne une petite explication. Cet indicateur avait la faveur d'une majorité très large des personnes qui ont participé à la concertation, y compris quand on a interrogé directement les citoyens dans les séances dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le problème, on l'avait écarté pour une raison technique, une rupture de série en 2013 qui est liée à l'évolution du questionnaire de l'enquête qui permet d'aboutir à cet indicateur. Le gouvernement a malgré tout considéré que ce tableau de bord devait s'inscrire dans la durée et que les évolutions de l'indicateur deviendraient signifiantes au fil des années. Dont acte, le taux de diplômés que nous avions retenu figure et commenté malgré tout dans la fiche du rapport. Bon, je passe vite parce que le temps passe. Sur la santé, pas de commentaire particulier, c'est bien l'indicateur qui a retenu. Si ce n'est que les graphiques intègrent des données d'indicateurs complémentaires, tant mieux. Sur l'emploi, là aussi le graphique intègre les données d'indicateurs complémentaires, les courbes par tranche d'âge, ce dont on ne peut que se féliciter, tout en regrettant que la représentation graphique choisie pour l'emploi ne fasse pas apparaître, comme beaucoup le souhaitaient, la part du sous-emploi et du chômage dans la population active, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Sur la gestion des ressources, donc le thème a été supprimé par le gouvernement, mais le thème est quand même un peu traité et l'évolution de l'indicateur du taux de recyclage des déchets est également commentée dans les fiches sur l'investissement. Dans la fiche empreinte carbone, par exemple.
Donc je le passe. Sur le climat énergie, il n'y a pas eu de photos. L'empreinte carbone a bien été retenue avec le complément que je viens d'indiquer. Sur le thème de la biodiversité, je vois qu'Alain Bougrain-Dubourg est parti. C'était un point épineux, qu'il s'agisse de la commission de concertation ou de la consultation citoyenne. Il ne s'est pas dégagé une franche majorité en faveur d'un des deux indicateurs pressentis pour illustrer le thème de la biodiversité, l'indice d'abondance des oiseaux et les taux d'utilisation des sols. Nous avions proposé les oiseaux, le gouvernement a retenu l'artificialisation, on fera avec, mais franchement on était à 50-50 sur le choix. Voilà ce que ça donne. Sur le thème de l'investissement, France Stratégie et son commissaire tenaient beaucoup à l'indicateur proposé des actifs physiques et incorporels. Sur leur insistance, on avait fini par retenir ce choix. Le gouvernement, lui, a préféré retenir l'effort de recherche et développement, ce qui, très franchement, n'a pas fait beaucoup de mécontents au CESE, d'autant que l'évolution du patrimoine est commentée dans la fiche endettement. Sur... vous aurez le diaporama, je pense, donc je ne m'attarde pas sur chaque diapositive. Sur le thème de la soutenabilité financière, l'indicateur retenu est bien celui qui était proposé, comme vous pouvez le constater. Il ne se limite pas à l'endettement public, c'est important, mais retrace l'évolution de l'endettement des ménages et celui des entreprises, qui était une forte demande de nombreux membres de la Commission. Et puis, dernier indicateur... le thème bien-être et vivre ensemble, ce qui a été retenu par le gouvernement. Une proposition qui a fait un peu grincer des dents chez les statisticiens du fait du caractère un peu subjectif de l'indicateur, mais après tout, il s'agissait d'une recommandation du rapport Stiglitz, donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Alors, en guise de conclusion, quels enseignements tirer de tout ça? Sur la concertation elle-même, vous dire que ça a été facile, bien sûr que non. Prétendre que France Stratégie n'a pas essayé de promouvoir les indicateurs qu'il avait retenus au préalable, ça serait un peu naïf. Je ne laisserai pas dire, en revanche, comme certains l'ont prétendu, que France Stratégie a imposé ses vues. Seuls 3 des 7 indicateurs initiaux figurent parmi les 10 finalement retenus dans la proposition commune CESE France Stratégie, et ces 3-là ont bien été proposés aussi par une majorité de participants à la concertation, à commencer d'ailleurs par l'empreinte carbone. A-t-on trouvé les meilleurs indicateurs possibles? Sûrement pas. Pour 2 raisons. La première, c'est que les conditions de robustesse mises au départ de nos travaux empêchent de pouvoir toujours satisfaire la demande. La seconde, c'est que le tableau de bord est nécessairement un compromis. Si je demandais à chacun d'entre vous une liste de 10 indicateurs que vous jugez essentiels, il y aurait autant de tableaux de bord qu'il y a de personnes dans cette salle. Alors si on apprécie le tableau de bord en fonction des indicateurs qui ne s'y trouvent pas, celui retenu par le gouvernement peut mécontenter tout le monde. Telle n'est pas mon appréciation. Ce tableau de bord n'est pas parfait, mais le CESE a réussi ce que beaucoup pensaient impossible, établir malgré, ou plutôt grâce à la diversité de ses membres, une proposition d'un nombre réduit d'indicateurs complémentaires du PIB. Une proposition qui est largement reprise par le gouvernement et qui, en figurant dans un rapport au Parlement joint à la loi de finances, acquiert une dimension officielle. Non, il n'est pas parfait. Il faudra d'abord et impérativement améliorer l'actualité des indicateurs et faire en sorte que la statistique publique ait les moyens d'y parvenir. On ne peut pas vraiment apprécier le progrès de nos sociétés d'une année sur l'autre dans toute sa globalité quand certains indicateurs renseignent sur une situation qui date de 2 ou 3 ans. Il faudra aussi améliorer les présentations graphiques, être systématique dans la fourniture de données permettant de suivre l'évolution en France et au niveau européen. On peut avoir pour chaque indicateur quelque chose d'assez simple où on voit l'évolution en France et les comparaisons au niveau européen. Et si on veut négliger la valeur de l'indicateur pour un certain nombre de petits pays européens, on pourrait au moins retracer l'évolution pour 5 ou 6 d'entre eux de chaque indicateur. On peut aussi mieux exploiter les possibilités graphiques.
Je l'ai dit, une opposition assez forte s'est manifestée entre le taux de chômage et le taux d'emploi pendant la concertation. Certains voulaient aussi que le taux de sous-emploi figure parmi les indicateurs. Il est malgré tout dans les indicateurs complémentaires. Mais en fait, on peut très bien concilier tous ces points de vue en faisant apparaître sur une même, toutes ces données sur un même graphique, en tout cas pour la France. Vous voyez que sur le graphique de gauche qui concerne la France, on peut très bien réunir ce qu'on a appelé maladroitement l'emploi stable, le sous-emploi, donc d'avoir le taux d'emploi et le taux d'activité de nos concitoyens. On peut aussi aller plus loin et avec un diagramme radar, là je n'ai mis que 6 indicateurs, mais avoir 10 branches et par exemple mesurer l'évolution de tous ces indicateurs en même temps sur un même graphique pour une année, d'une année sur l'autre, ou par rapport à 10 ans avant, ou par rapport à une moyenne européenne. Voilà ce que ça. Les chiffres sont faux, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour l'illustration que j'ai fait ce diagramme. Donc on peut encore beaucoup progresser. Donc effectivement, ce tableau de bord n'est pas parfait, mais il existe. Et bien sûr, il faudra le faire évoluer, changer certains indicateurs au fur et à mesure que les données statistiques seront améliorées, et évidemment aussi au fur et à mesure de l'évolution de la société et des attentes des citoyens. Mais laissons-nous un peu de temps, 4-5 ans, pour stabiliser ce qui a déjà été fait. Un tableau de bord ne sert à rien si on en change tous les ans. Si nous voulons vraiment qu'un débat s'instaure sur le véritable progrès de la société d'un point de vue économique, social et environnemental, autrement qu'au travers de la seule croissance économique, l'enjeu est moins de rechercher le tableau de bord idéal que s'efforce de trouver nombre d'organismes depuis plusieurs décennies, que de faire vivre celui qui est désormais reconnu en France par les pouvoirs publics. Pour cela, il faut que ces indicateurs soient facilement accessibles, construire un site dédié, faire figurer un lien qui renvoie dès la page d'accueil des sites ministériels et des grandes institutions, comme on le préconisait déjà en 2009. Il faut surtout, au-delà de ces moyens, que le plus grand nombre s'empare de ce tableau de bord. Ce n'est pas un rapport de plus du gouvernement au Parlement qui changera le regard de la société sur elle-même. C'est le commentaire que nous apporterons les uns et les autres, syndicats, associations de tous ordres, entreprises et en définitive les médias, sur l'évolution de ces indicateurs considérés ensemble. Et qui peut mieux amorcer la confrontation des analyses des uns et des autres que le Conseil économique, social et environnemental. Je sais que le Bureau a engagé le Conseil dans cette voie, je m'en réjouis profondément. Et je vous souhaite des travaux fructueux. Je vous remercie. Merci. Merci, cher Philippe Leclésio, pour cette présentation et pour le travail accompli avec France Stratégie. Je vais passer peut-être la parole quelques minutes à Hélène Fauvel, présidente de la section économie et finances, et qui aura en charge le rapport annuel sur l'état de la France. Oui, merci Président. Alors tout d'abord, un grand remerciement à Philippe de nous avoir fait l'amitié de venir nous faire cette présentation. Alors d'où est née l'idée de demander à Philippe de venir nous présenter donc tout le travail qui avait été fait sur ces indicateurs? C'est parce qu'au sein de la section économie et finances, nous avions constaté que compte tenu du taux de renouvellement de notre assemblée, quand nous parlions de ces 10 indicateurs, eh bien tout le monde n'était pas au même niveau d'information. Et que de ce fait, ça nuisait à la bonne communication que nous pouvions avoir entre nous, et notamment quand il a été question de ce que nous allions faire du rapport sur l'état de la France, comment nous allions le construire pour cette année et pour les années qui viennent dans cette nouvelle mandature. Donc à ce moment-là, moi en tant que présidente de la section, j'ai eu l'idée de proposer aux membres de la section de demander à Philippe de venir nous faire une présentation en section. Et compte tenu du résultat que ça a donné au sein de la section et du fait que maintenant tout le monde s'est emparé de ces indicateurs et que dans le cadre des travaux que nous menons actuellement dans la construction du rapport sur l'état de la France donc pour 2016, ensuite, il a fallu aussi que ces indicateurs soient répartis entre les différentes formations de travail de notre assemblée. Et là, j'ai pu constater qu'il y avait une certaine incompréhension, et d'où l'idée de demander à Philippe de venir faire une présentation en séance plénière. Et j'espère que, du coup, la demande que j'ai co-signée avec Pierre-Antoine Gailly, qui a accepté d'être rapporteur
de ce premier rapport de la mandature sera mieux comprise. Pourquoi le délai imparti, c'est jusqu'au mois, enfin on a donné un délai aux sections pour leur contribution aux autres sections, et pourquoi c'est au mois de juin? Eh bien parce que les chiffres, donc nous ne pouvons pas le faire pour le mois de septembre parce que le gouvernement va commenter ces chiffres, mais ne va pas nous les communiquer avant, et donc nous n'aurions commenté, nous, que les chiffres de l'année précédente. Donc d'où l'idée de le faire au mois de juin sur les indicateurs de l'année précédente pour peser sur le débat d'orientation budgétaire. Voilà ce que j'avais à dire. J'excuse Pierre-Antoine qui a dû partir, et en même temps je profite pour le remercier d'avoir accepté de se coller à cet exercice pour cette première année. On fera mieux l'année prochaine, on s'y prendra plus en amont et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais je pense que dès cette année, on peut déjà, avec le commentaire de la société civile sur ces indicateurs, avoir quelque chose d'original par rapport aux autres rapports qui sont faits par les différents organismes. Donc Philippe, je te remercie vraiment d'avoir accepté de venir faire cette présentation. Y a-t-il d'autres demande de parole? Bah écoutez, Chafil, vous vouliez ajouter quelque chose, non? C'est ça? Pardon. Non, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, s'il y avait des questions, bien sûr, on peut y répondre. Ceci dit, si vous voulez un cours particulier, je suis sûr que Philippe ne manquera pas de venir vous expliquer en détail ces indicateurs. En tout cas, je voudrais vraiment le remercier parce que c'est un travail important. Et je crois que pour nous, c'est une vraie planche de salut sur le rapport annuel. Voilà, sur ce rapport annuel sur l'état de la France, pour pouvoir se le développer tranquillement au fil des années et le consolider. Je voudrais vraiment aussi remercier évidemment Hélène Fauvel pour le travail qui a été accompli et ce qu'elle accomplira aussi avec tous les autres présidentes et présidents de section. Et je les remercie de leur coopération dans ce calendrier extrêmement contraint. Je sais pouvoir bien sûr compter sur vous tous pour produire en heure et en temps les éléments dont a besoin Hélène et sa section pour pouvoir travailler. Je voudrais juste aussi souligner que, évidemment, un rapport comme celui-ci devra faire l'objet d'une communication particulière et nous y veillerons évidemment avec beaucoup d'attention. Et un groupe de travail est déjà en train d'œuvrer pour proposer quelque chose qui mette en valeur ce rapport annuel sur l'état de la France. Je vous remercie bien sûr de votre attention. J'ai une dernière information à vous donner, c'est vous donner rendez-vous à la prochaine plénière qui se tiendra le 26 avril 2016 à 14h30. Et l'objet du projet d'avis intitulé « L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage, mieux prévenir et accompagner ». Il sera présenté par Madame Jacqueline Farache, rapporteure, au nom de la section des affaires sociales et de la santé, présidée par Aminata Koné. Un grand merci de votre patience, un grand merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le bureau, c'est quoi le bureau? Une dernière annonce, le prochain bureau aura lieu le mardi 12 avril 2016 à 9h30. Voilà, c'est clos. Je n'avais pas vu, c'était dans le bas de la page.